son c'est mieux. Ah bah alors, c'est pour crêpeter, c'est pas la peine. Hein. Voilà. Voilà pour ce petit live tout à fait impromptu, sorti de nulle part, et où, comme je suis tout seul, je cours d'un bout à l'autre. Bonjour Trictracien, bonjour Trictracienne. Salut, je vois que ça se connecte. Alors, je vous le dis tout de suite, je ne sais pas exactement où nous allons aller avec ce live. Puisque nous avons reçu l'été dernier tout un lot de boîtes, ah bah je vais le montrer à déporter, hop, Gravitrax. On avait reçu la boîte de base et on avait également reçu plusieurs... Ouais, c'est bon, ça capte? Oui, ok, nickel. Et on avait reçu plusieurs extensions. Alors, je n'ai pas ramené les boîtes parce qu'il y en a plein et que déjà, ça a ramené quand c'est bien chargé, c'est très lourd, mais nous avons tous les petits manuels pour vous donner les noms et les précisions de tout ce qu'on va vous montrer. Ça, c'était l'été dernier, on avait fait un petit article dessus, et puis bah, on n'avait pas fait de vidéo, parce que pas le temps, puisque voilà, mais ça avait quand même... Oh, ça saute. Dites-moi si ça saute chez vous aussi. Oh, moi, ça a l'air d'aller. Tac, comment elle fonctionne cette chose? Bah, ça saute drôlement beaucoup. Une erreur s'est produite, je vois ça. Bon, bah, désolé, hein, j'espère que chez nous ça saute un peu. Je ne sais pas si ça sautouille de votre côté. J'espère pas. Et puis je ne peux pas grand chose contre. Ah! C'est qui joue avec Internet là-haut? Bon, on verra bien comment on fait. De toute manière, ça va être une vidéo qui va être un peu lente. Je vais essayer de parler au maximum pour qu'il se passe des choses dans votre poste. L'idée donc, je résumais, l'été dernier, nous avons reçu un Gravitrax à quelques extensions qui étaient sorties. Et il y a un mois et demi, Monsieur JB nous demande si on veut la suite. On a reçu la suite. Et donc, on a... Alors, vous ne voyez même pas tout à l'écran. Enfin, si, vous le voyez sur l'écran qui est devant moi, mais pas sur la caméra du dessus. Ah, il y a Fel qui arrive. Ouais, on a des sautes. Oui, il y a une micro-coupure. Oui. Olivier dit que ça saute de temps en temps. La Freebox, ça se remet en route. Évidemment. Alors, je ne sais pas pourquoi. Alors, personne n'utilise vraiment Internet, à part moi qui regarde le Tour de France en direct. Mais je pense que ce soit ça. Alors, voilà. Et donc, ce live est interrompu par le Tour de France. Alors, non, c'est pas possible, on va passer le col de Plougastel et puis on se retrouve d'ici 20 minutes. Cette vidéo met déjà bien du temps à démarrer. Et oui, désolé. C'est pour vous dire à quel point on trime dur en ce moment chez Trictrac. Voilà, c'est le Tour de France. Et nous, ici, on va jouer aux billes. Donc, on va quand même arriver dans le vif du sujet. L'idée, c'était d'essayer de faire un gros circuit. Enfin, c'était de faire une région partie autour de Gravitrax pour montrer un petit peu à quoi ça ressemble si vous ne connaissez pas encore. Montrer aussi toutes les nouveautés qui sont, slash, vont, slash, viennent de sortir. Donc, on va vous montrer plein de trucs. En gros, bah voilà, je vais m'amuser pendant une heure et demie, deux heures. Généralement, je ne vois pas le temps passer. Je vais essayer de vous montrer le plus de trucs possible. Hein. On va surtout faire mumuse parce qu'il y a du matériel. Donc, comme je disais, que vous ne voyez pas là en déporté, mais que vous voyez pour l'instant ici, voilà, qu'on va récupérer et jouer avec au fur et à mesure. Si vous avez des envies, des questions, des « Eh tiens, ça fonctionne comment ?» et « Qu'est-ce qu'on peut faire avec ?» bah, n'hésitez pas à me demander. Et je vais surveiller ce que vous faites, enfin ce que vous dites, et puis pendant ce temps, je vais me laisser embarquer. Alors, j'imagine que je ne suis pas le seul, d'ailleurs, je sais que je ne suis pas le seul. C'est par exemple que j'ai contaminé Monsieur Benoît Bagnier de la boîte de jeu, en lui parlant des possibilités de Gravitrax. Voilà, je suis un... Alors, je ne sais pas si c'est un nom, je ne suis pas vraiment un marbleur. En tout cas, je suis assez fan de ce qui se passe et de ce qui s'invente autour des circuits à billes. Le bonheur de Gravitrax, pardon, c'est que par son design, il y a un côté à la fois très Lego, et Lego, ça me parle aussi, mais surtout un design un peu plus épuré, un peu plus, on va dire, scientifique, un peu plus, voilà, c'est joli. C'est pas enfantin, quoi. Et en fait, ça donne tout de suite envie de faire des trucs avec. J'ai pas la moindre idée de ce que vous êtes capable de voir. Et puis, évidemment, ça plante aussi sur mon ordi. Super. Génial. Bah, écoutez, j'y vais. Et puis, vas-y, je suis tout seul à m'amuser. C'est pas grave. De toute façon, ça va être enregistré et je ferai des trucs avec. Alors,
Gravitrack, donc comme je disais, principe de circuit à billes, hein, tout bêtement, il y a des chemins et il y a des billes qui circulent dedans. Il y a aussi des systèmes de rails, et ça c'est très commun au circuit à billes aussi, et les billes circulent dedans. Ah, vous voyez peut-être pas bien avec une grise, je vais prendre une couleur qui se voit sur le fond marron. Hop. Rails de différentes tailles. Il y a aussi, bah, bien sûr, l'intérêt, c'est d'avoir des hauteurs et de pouvoir faire du volume. On va monter et descendre. J'avais tout bien rangé. Différents étages. L'intérêt et le petit plaisir de Gravitrack, c'est aussi qu'il y a plusieurs outils qui vous permettent de remonter l'ensemble du tout utilisant des lois de la physique. Que je n'ai pas toutes remises. On verra si d'ailleurs elles sont peut-être toutes décrites sur les petits manuels. Notamment, bah, le plus connu et qui est fort sympathique, bah, tiens, je vais juste vous faire une petite démonstration, c'est le canon, hop, qui est là. Le canon, il me faudrait une arrivée, j'en prends une ici, magnétique. Alors, le canon magnétique, ça se base sur un principe d'aimant. Alors, comme ça, ça n'a pas l'air forcément incroyable, mais vous allez voir qu'en mouvement, c'est plutôt fort sympathique. On va se faire une petite pente gentillette pour accéder à ça. Hop. Hop. Et hop. Comment ça capte bien ici? Tac. J'ai plus du tout accès au message. Génial. Ah, voilà. Hop. Nanananana. Alors, tac. Donc, je vais vous montrer le petit plaisir du canon à billes. Alors là, j'ai tout mis au même niveau. Il n'y a que le début qui est un petit peu plus haut. Le canon à billes, vous allez voir que ça donne une sacrée patate et ça permet souvent de remonter. C'est un des, comme je le disais, un des plaisirs de Gravitrax, c'est de faire des circuits où la bille va descendre et on va se laisser fasciner par ça jusqu'à arriver par un truc où hop, elle remonte et on a fait une suite de circuits. Et c'est ça plutôt sympathique. Alors là, comme ça, je ne sais pas si vous voyez bien, comme ça dégage la chose. Si je remets même un circuit que je vais monter de plusieurs niveaux, hop. Et là, je vais avoir droit à un effet Bonaldi, c'est quasiment sûr, ça ne va pas fonctionner. Tac. Donc là, on est au niveau du rez-de-chaussée. Là, j'ai mis trois niveaux, trois étages, donc la bille doit vraiment repartir en hauteur. Et bah, vous allez voir que même en envoyant un truc tout doucement, le canon, il faut quand même qu'elle y aille, hein, doucement, ça veut dire quand même que ça part, hein, va, paf, l'amener jusqu'en haut. Ça, ça permet donc entre autres de remonter, ça permet aussi d'aller faire des trucs un petit peu plus dangereux qui nécessitent du mouvement, comme le looping. Alors, le looping, il n'était pas forcément très facile à maîtriser jusqu'à présent, même avec sa première boîte, parce qu'il faut quand même donner un sacré élan pour que la bille puisse partir. C'est pourquoi Ravensburger a mis au point Whippers. Je ne l'ai pas dit, c'est vrai. Ça, c'est un point important à signaler, hein, vu que maintenant, on est vendu à Asmodée et que c'est vraiment vrai et définitif. On n'a donc plus le droit de parler des concurrents. Et comme on n'en a plus le droit, je vais parler 2 heures de Ravensburger aujourd'hui. Voilà. Donc, Gravitrack, c'est une belle invention made in Ravensburger directement. Et ça fait plaisir. Et c'est distribué par Yellow. Hein. Donc, voilà, on n'est vraiment pas corporate. Et pour être sûr que ça passe, je vais répéter ça tout le long. Hein. Donc, grâce au looping Gravitrack, made in Ravensburger distribué par Yellow. Non, pas du tout grâce d'ailleurs. Ce que je voulais dire, c'est que dans les dernières boîtes, il y a une nouvelle rampe qui est apparue et qui apparemment donne plus d'élan. Alors, je n'ai pas encore pu l'essayer, donc on va voir ça tout à l'heure. Ou on va voir ça tout de suite. D'ailleurs, en fait, on a un début de circuit. Je ne vais peut-être pas commencer avec des circuits trop compliqués à 3 billes, parce que ça, c'est des défis que j'aime bien me mettre tout seul. C'est avoir un départ, vu que le départ permet de faire partir 3 billes, avoir un départ à 3 et puis les lancer toutes d'un coup. Là, on va se dire, bah, on va commencer zen. En fait, on a quasiment une arrivée qui est là. Là, on pourrait repartir après, mais on ne va pas le faire tout de suite. On va peut-être se concentrer sur comment on vient ici. Alors, par exemple, on peut faire une petite remontée hop, en escalier. Tac, gentiment. Prendre hop, des petits virage. Alors, il faut savoir que bah, là, du coup, je suis en train de jouer principalement avec la boîte de base. La boîte de base, hop, elle arrive avec
tout un livret pour vous expliquer juste un petit peu en fait comment ça se passe dans le genre. C'est en multi-multilangue. Donc en gros, c'est une page qui présente et puis une double page avec du matériel, ce qui est possible de faire, etc. Et puis des petites infos par rapport à un livret d'exercice. Un livret d'exercice qui est là, qui est donc dans la boîte de base avec uniquement le matériel de base. Et qui vous indique, alors là, c'est juste des découvertes. Vous voulez faire ça, bah voilà les étapes. Donc là, c'est vraiment comme un manuel de Lego. Et puis, bah, y a aussi, au fur et à mesure, des énigmes. On ne vous donne pas toutes les infos. Voilà, c'est à vous de réfléchir. Vous savez quel matériel est utilisé et vers quoi on va. À vous de vous débrouiller sur bah, comment on l'y amène et qu'est-ce qu'on fait et comment les différents éléments sont gérés. À quels étages vont être les différentes choses. Et à vous de bien réfléchir sur comment vous gérez vos niveaux. Punaise, ça... Ça coupe à mort. Ça, c'est donc avec la boîte de base. Alors, assez vite, vous allez arrêter de la suivre et vous allez essayer des trucs par vous-même. Alors là, ce qu'on a montré, c'est donc le canon magnétique. Le canon magnétique, est-ce qu'il y en a un dans la boîte de base en elle-même? Je ne crois pas. Je ne sais plus. Ah, les lives qui sont bien préparés. Oui, il y en a un de base dans la grosse boîte, mais vous pouvez aussi en acheter. Il y a plein de petites boîtes à l'unité. Il y a également des boîtes avec du matériel supplémentaire, on va dire basique, des virages, des rails, des niveaux pour faire des étages en plus. Vous avez du matériel, et on verra que parfois c'est important, qui vous permet de faire un niveau de plus, mais parfois aussi un demi-niveau pour faire des pentes plus douces, ou au contraire légèrement plus fortes. Parce qu'il faut quand même respecter une certaine hauteur. Là, vous voyez, là, par exemple, je suis à 3 niveaux de haut. Si je fais 4 niveaux de haut, on voit que le rail ne s'enclique pas bien. Là, il s'enclique, mais là, il est juste à la limite du bord et ça ne suffit pas. Alors, peut-être que si je faisais 3,5, hop, je gratte un tout petit peu et là, ça s'enclique. Des fois, c'est ça. Le 1,5 est pratique pour ça. Des fois, il suffit de rien pour remettre les choses en place. Et le 1,5, je vais reprendre du café. Le 1,5 permet aussi de faire des choses qui seraient en dehors des, alors, j'ai pas de nom, des plateformes et pouvoir les arriver au même niveau que la plateforme puisque la plateforme fait l'équivalent d'un 1,5. Voilà. Si, par exemple, je voulais que ça, ce soit au même niveau qu'une plateforme, il faudrait probablement que je lui accroche 1,5 ou que je le mette directement sur la plateforme. Les plateformes, on va les voir, on va s'en servir après. Ça permet de commencer à créer des étages, des choses en escalier ou en terrasse. Spéciale dédicace à Jenny Laure, les jardins en terrasse. Ça arrive également avec ces petites plaques qui sont, alors qu'on l'air comme ça, juste, enfin bon, on pourrait se dire, parce que par le simple fait de le voir, que ça ne sert pas forcément à grand chose, que ça sert juste un peu à visualiser l'espace et pourquoi on n'irait pas s'amuser à aller à côté. Mais en fait, ces plaques qui sont fournies dedans, il y en a fournies en matériel supplémentaire aussi, c'est vachement important. Parce que tous les hexagones de Gravitrax ont des petits crans qui permettent d'aller bien s'enticher. Alors, les uns dans les autres, voilà un virage là-dedans et je sais que là, c'est bon, c'est solide, ça tient. Bon, j'exagère, mais pour un passage d'une bille, ça tient. Et en fait, les fixer là-dessus, ça permet d'avoir une base qui est bien solide et bien fixe sur laquelle poser. Parce que des fois, vos billes peuvent partir à toute brinzingue et si vous avez un virage qui est mal mis, ça va décoller, ça va voler et ça, on n'aime pas. C'est pas très pratique. Alors moi, j'en étais où? J'en étais là, j'avais fait 2 niveaux parce que pendant ce temps, du coup, je vous parle et je montre rien. Hop, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Et si ça, on le mettait d'ailleurs pas sur une plateforme? Alors, c'est jouable, on enlève ça. Du coup, la plateforme faisant cette taille-là, on l'enlève. Toc. Et toc. Alors pour l'instant, c'est juste une arrivée, c'est pas fou dingue. Je vais rajouter d'autres piliers pour que la plateforme soit bien stable. Hop, 3 suffisent mis en étoile. Après, puis comme ça nous permet d'être économe sur les piliers, c'est pas plus mal. Et hop, voilà. Alors, du coup, c'est super, mais où est-ce que je vais avec mon truc? Parce que là, en plus, elle est dans le même axe que l'autre. Alors, voyons voir. Si, par exemple, je fais ça, tac, ici, je vais mettre un virage, non, je vais encore mettre un virage léger, parce qu'en fait, ça suffit. Hop, on va mettre un plus
plus grand rail. Et là, on voit qu'on n'est pas au même niveau. Il va donc falloir remonter. Alors, on a plusieurs choses pour remonter. On a celui-là, mais lui, du coup, on l'a déjà vu. On va prendre un truc un peu différent et tout aussi intéressant. On va prendre le marteau. Alors, le marteau, hop, c'est pareil. Le marteau, c'est une petite boîte à part que je ne vais pas retrouver si elle est là. Hop. Alors, le marteau, ça fonctionne tout simplement sur le principe. Il y a une énorme, enfin une bille plus grosse et plus lourde que les autres. Bah, si vous voyez bien, hein, qui est dessus. Et donc, en fait, elle va servir à donner un grand coup d'élan. La bille va venir dans un premier temps taper le système de poulie du marteau et ça va entraîner bah, la perte d'équilibre en fait, de la grosse bille qui est tellement lourde qu'il va être entraînée et dans son mouvement, voilà, mêlant à la fois le mouvement, le poids, la masse, et je ne vais pas faire le débrief physique parce que je ne le connais pas par cœur, ça va donner un grand coup dans la bille. Tiens d'ailleurs, est-ce que ça en parle parce que tous les systèmes de Gravitrax s'inspirent justement de phénomènes physiques réels. Et le marteau, ça s'appelle juste le marteau. Il y a un petit exemple pour voir comment découvrir son marteau. Et puis des langues, mais rien de plus. Pendant ce temps, ici, nouveau commentaire. Tac, waouh, ça saute. C'est quoi ce stagiaire? Je suis en train de négocier. Mais qu'est-ce qui caille-taille sur moi? Déjà un mode créatif, ça sent l'extension. Tac, tac, tac. Il en sort tous les 3 mois des extensions. Oui, hein, c'est vrai que c'est assez régulier. Ravensburger suit bien cette gamme et puis c'est très demandé, c'est très apprécié par les marbleurs, mais bah, par des gens aussi qui ne s'y connaissaient pas forcément plus que ça. On dit marbleur, d'ailleurs, je fais juste le petit point, hein, mais si nous avons des anglophobes avec nous, c'est parce qu'en anglais, une bille, c'est marble et les systèmes à billes. Les Anglais étant toujours les plus présents, on dit généralement que les passionnés de cette chose-là sont les marbleurs. Vous en avez un qui est vachement bien, que j'avais déjà cité dans l'article, que j'aime bien citer de temps en temps et qui est assez ouf. C'est Martin, j'ai plus son nom de famille, c'est le leader, le fondateur du groupe Wintergatan. Et dans ses délires avec Wintergatan, il a créé une énorme machine musicale qui fonctionne intégralement à billes. Donc, il y a un système de rouage qui permet d'entraîner la machine pour faire remonter les billes, mais pour pouvoir lancer la musique aussi. Et donc, c'est une énorme pièce musicale à billes. Il a fabriqué ça pendant 1 an tout seul. Puis, il s'est dit que c'était quand même un petit peu de guingois. Il a investi dans du matériel et il a voulu, surtout quand il a vu cette machine-là en rêve, hein, c'est lui qui le raconte, il a voulu en faire derrière une machine qui pourra emmener en concert avec son groupe. Et donc là, donc une première année, il a fabriqué une espèce de prototype en bois, en sciant lui-même les choses, avec pas forcément beaucoup de précision. Et puis, suite à ça, là, ça fait 2 ans qu'il est en train d'en fabriquer une, alors j'allais dire en dur, mais en tout cas avec armature métal, il se met avec des professionnels. Il a également il design complètement les pièces avec un logiciel informatique qui permet de faire ça. Il a une découpeuse et puis bah, il y va, il essaye. Il a une page Facebook où toutes les semaines, tous les mercredis, il fait une vidéo. Alors, pas là parce qu'il est en vacances et le pauvre, il en avait besoin. Mais si vous voulez suivre ça, c'est déjà bah, très joli à regarder. Juste le trajet des billes, toute l'inventivité du type qui est derrière. Mais également bah voilà, la musicalité que ça crée et toute la réflexion qu'il a entre l'esthétique, le système de billes, entre bah, derrière justement la beauté de ce qu'on obtient musicalement, donc voilà, avec les oreilles, la conception esthétique même de l'ensemble, c'est quelque chose qui lui importe beaucoup, sur lequel il revient régulièrement. Et puis ce type est fou et fait de la jolie musique, et ça c'est toujours bien. C'est pas du Gravitrax, hein, c'est vraiment quelque chose qu'il fait lui-même à côté, mais si vous aimez bien les circuits à billes, ça vaut le coup. Il y a un autre truc qui est sympa et qui s'est inspiré de Gravitrax, alors ils n'ont pas fait plus de vidéos depuis 1 an, mais je vous intéresse quand même si voilà, vous voulez voir le niveau dessus, c'est les gens de chez Gravitrix. Et Gravitrix, ils utilisent le matériel de Gravitrax et ils le détournent. Ce sont de grands cinglés, mais c'est franchement bien. Alors, on va regarder ce que le marteau permet s'il est assez fort. Super, il n'est pas du tout.
Parce que je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Voilà. Vous me déconcentrez aussi. Alors, ça donne quoi? Tac, c'est bon, ça remonte. Et là, c'est envoyé. Alors, pour l'instant, ce n'est pas très intéressant comme circuit, hein, mais ça fonctionne. Je ne me mets pas des défis trop énormes parce que je vous montre les choses petit à petit. Hein. J'ai tendance à partir dans des délires chez moi tellement dingues qu'il faut plusieurs tentatives, notamment des démarrages. Alors, ça, c'est la tuile de démarrage. Hop, on branche les billes. On branche, bien sûr, on branche tout à fait, bien sûr. Néo, la Matrix. On enclique les billes dedans et après, quand on fait un petit coup de pression, voilà, ça envoie des billes dans trois directions. Mon grand plaisir régulier avec ça, c'est de faire partir trois billes en même temps, de leur faire faire trois circuits complètement différents avec des éléments différents et de les faire arriver le plus en même temps possible. Mais là, ça prend vraiment des heures, voire des jours. Hein. C'est-à-dire qu'après, ça repose dans un coin de mon salon et j'y reviens de temps en temps. J'améliore un axe, j'améliore un rail parce que je suis un peu barré. C'est France Culture Ludique. Mais non. Mais non, j'essaie. Mais non, c'est rigolo. Arrête. Bon, alors, donc, là, on a vu ce truc-là. Là, il va falloir qu'on continue à monter si on veut donner un petit peu d'élan. Qu'est-ce qu'on peut faire de sympathique? Il y a des choses que j'ai pas encore essayées. Ça, c'est mieux si c'est jeté du haut. Ça, on le mettra pour la fin. Alors, il y a ce truc-là qui permet de remonter. Qui permet de remonter les billes jusqu'à ce niveau-là. Alors, ça donnerait quoi? Non, là, on est encore un peu trop bas. Hein. Il va falloir qu'on fasse quelques niveaux supplémentaires. Là, on a quoi? Ça qui permet de repartir dans l'autre sens et en plus en remontant. Mais là, pour l'instant, on n'a pas l'intérêt non plus. Qu'est-ce qu'on a qui est rigolo? Ah, la gouttière. Si on se faisait une gouttière en hauteur, sauf qu'elle n'est pas du tout au bon endroit. Super. Ah, c'est un live complètement préparé. Hein. Ça se sent à mort. Bah écoutez, il va falloir juste qu'on monte encore en fait. Eh bien, c'est très bien. On va monter. On va monter de plusieurs étages. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de bien? Hop. Hop, cela dit, à un moment, on va peut-être juste en fait faire le haut et puis les autres, je les mettrai après. Hein. J'aurais bien aimé, pour l'étage qui est tout en haut, utiliser les tuyaux. J'aime bien l'esthétique de ce truc-là. Donc en fait, je pense que ce qu'on va faire pour l'instant, c'est qu'on va se contenter de ça et on va se dire avec quoi on part une fois qu'on arrive ici. Alors, il n'y aura qu'une seule bille qui va monter parce que le canon hein, ne sert qu'une fois. Enfin, en fait, si vous voulez, il y a une bille qui arrive et qui permet, par effet de magnétisme, d'en projeter, de traverser une première bille et de projeter la seconde. Voilà, si on est comme ça, là maintenant, si je renvoie des billes, en fait, elles vont juste se coincer et ça ne va rien envoyer. Si j'en ai plusieurs, il ne devrait pas se passer grand-chose d'intéressant non plus si ça envoie les deux d'un coup. Ah, j'ai jamais essayé. Ah oui, mais non, mais j'ai le même problème avec le marteau. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut enlever la bille qui est déjà ici installée pour en mettre une nouvelle. Bon, pas faire d'expérimentation trop loufoque tout de suite. Pour l'instant, on va surtout en envoyer une. Ah, alors j'ai le chat par intermittence, par grosse intermittence, hein, la vache. Vous voulez le lien? Alors, il faut aller taper, je vais vous taper le lien pour Martine. Il faut aller regarder la chaîne de Wintergatan. Hop, voilà, j'ai juste mis le nom dans les commentaires, je vous inviterai. Ah, oui, je prends des rails le soir chez moi. Exact. Bien, alors, donc, on va arriver ici. Eh bien, qu'est-ce qui me plairait bien? En fait, ce qui me plairait... Oui. Non, t'observes? J'ai un Fal qui regarde par derrière la vitre, qui se dit il est en train de perdre complètement ses employés. Mais ça va, c'est plus ses employés pour longtemps, donc il est moins inquiet du coup. Tiens, ce que je vais faire. Non, j'ai dit que je faisais du truc. Ça y est, je me contredis moi-même et avec ça, je ne suis pas arrivé. Si j'ai envie de mettre un étage pour, par exemple, que là, il y ait quelque chose qui remonte encore, ça donnerait quoi? Ça donnerait où? Il faut que j'ai des bonnes bases pour caler mon niveau de plus. Je peux à la rigueur en mettre un là. Alors on va voir. Pour l'instant, ça va faire un petit peu beaucoup, mais ça devrait le faire quand même. J'en mets une ici, j'en mets une là. Je suis en train de gâcher tous mes piliers pour des conneries. Hop, et j'en mets. Non, c'est trop ça.
c'est trop haut parce que pour qu'il soit mis au même niveau que les autres, il en faut un qui ne fait qu'un demi. Hop, voilà. Et la même ici, alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Putain, j'ai mis un truc énorme. Alors, hop. Il m'en manque quoi? Il m'en manque 3, c'est ça. Ouais, c'est ça. Hop, 3. Tac, et un petit demi. Et là, on a quelque chose qui tient et qui est stable. J'ai l'impression. Peut-être pas, mais on verra. Sauf que là, j'ai fait n'importe quoi. Mais bon, ça, on corrigera après. Non, on va corriger maintenant. Voilà pourquoi c'est long et voilà pourquoi je savais d'avance que ce live, ça allait être à peu près n'importe quoi. Parce que quand on se lance dans du Gravitrax, on a souvent qu'une vague idée de ce qu'on veut faire. Enfin, souvent, en fait, on s'inflige des défis tout seul. Hein. Concrètement, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais caler l'ascenseur manuel. Alors, déjà, l'ascenseur manuel. Là, déjà, on va le réduire d'un niveau parce qu'il est un petit peu trop haut. Voilà, on va arriver ici. Je pense que j'ai le bon niveau. Mon micro est en train de me déshabiller. Alors là, on a le problème de, il va falloir arriver ici. Donc, pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'il va nous falloir un virage là. Et puis, ben là, là, on va arriver avec un tout droit. Non, un tout droit. Hop, toc. Alors, ce qui donne, pour l'instant, dans notre trajet, pas grand-chose, mais on va le regarder quand même. Je vais mettre une bille argentée pour l'arranger. Hop, ça va donner ça. Tac, ça repart, ça redescend. Le truc magnétique, et après on arrive dans l'ascenseur. Alors c'est un ascenseur qui se déclenche manuellement. Il va falloir que je cale des billes dedans si je veux que ça puisse partir et fonctionner. Et il faut que je le réfléchisse par rapport au fait qu'il manque juste un étage. Et ça, ça devrait être bon. Il y a une bille qui va arriver, on va faire monter d'un cran et fuit, là, elle va repartir derrière. Et si on fait un test, je ne peux pas récupérer ma bille. Donc, on va me croire. Voilà, je vous demande votre bonne foi et puis ben, on va voir comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on est remonté là-haut? Eh ben, redescendre. Oh oui, on peut faire une grosse descente avec du trampoline, ça peut être sympa ça. Alors sachant que j'ai dit que là, j'aimerais bien qu'il y ait un passage aussi avec du tuyau. Alors, si je mets un tuyau ici, non, lui... Tout doux. On remet le marteau droit. Hop. Je suis vraiment en nouille en plus. Il y a des flèches dessus pour savoir dans quel sens le marteau va taper. Lui, où est-ce que je l'amène? Alors, oh, ça vient vraiment au compte-gouttes. Hein. Jeu de contrôle de territoire, exactement. parce que là, si j'arrive là, je peux faire quelque chose qui redescend aussitôt, mais qui redescend dans le même sens. Alors, ça ne va pas. En fait, le problème, c'est que lui, il serait moins gênant s'il était dans ce sens-là. Et avec lui, je pourrais repartir en dessous. Ça, c'est plutôt rigolo. Ça donne quoi? Alors, ça donne que si je veux que tout se passe bien, en fait, ça, je vais le mettre. Non. Ça, je vais le mettre plus haut. Hop, un cran plus haut, ce qui n'est pas plus mal, ça donnera un petit peu plus d'élan pour avoir bien la force de la bille qui va et aller taper le marteau. Hop, doucement. Ici, je suis comme ça. Je veux que ça arrive là. Donc là, il m'en faut une niveau 2. Bah, parfait, je l'ai. Je vais juste devoir prendre hop, un tout droit, voire en fait un tout droit en rail. Et là, c'est là où je vais me faire avoir par moi-même parce que je ne vais pas avoir mis assez de hauteur. Oui, exact. Alors, voilà. Là, c'est pareil, un des nouveaux outils. Ah oui, alors du coup, je n'ai pas montré. On a le lift ascenseur, donc et la grosse boîte qui arrive là puisque le lift, l'ascenseur arrive avec d'autres systèmes d'ascenseur, mais pour pouvoir voir comment il fonctionne, il y a donc des étages supplémentaires dessus. Donc lui, celui-là, c'est une un peu plus grosse boîte. Mais c'est toujours plaisant à faire. Et puis dans le même principe, enfin c'est des moyennes boîtes en fait. Ça fait, si vous voulez, l'équivalent par rapport à la boîte de base qui est large comme ça. Il y a quelques boîtes d'extension de matos. Ah bah tiens, ça tombe bien, c'est celle que j'ai là.
Voilà. Il y a quelques boîtes qui sont un petit peu plus grosses, comme celle-ci. Donc en vrai, elles font le même taille carré que la boîte de base, mais c'est dans une boîte à pizza qui fait à peu près la moitié en largeur. Voilà. Ça, c'est les infos. Et donc forcément, ces grosses-là coûtent un petit peu plus cher. Ah, je vais tomber un papier. Toc, toc, toc. Alors, donc là, ce que je voulais, c'est faire passer, il y avait avec le système de tunnel, directement dedans. Le problème, c'est que avec ça, bah, j'ai une hauteur qui est limitée. Et là, je suis pétard de trop haut. Alors, ce qu'on va faire dans ce cas-là, parce que là, je commence à sentir qu'en fait, là, ça va nous obliger à être très haut par rapport à l'arrivée, et ça va commencer à être un peu moins esthétique d'avoir un grand niveau plat et une grosse descente d'un coup. On va se faire plutôt un petit montage en escalier. Tac. Alors, on va faire une petite descente là. Et là, en fait, je vais juste laisser un niveau de séparation entre différents circuits. Ce qui fait que ça va donner une impression d'escalier et la bille va faire tac, tac, tac d'un truc à l'autre. Alors, je ne sais pas si c'est très clair. J'espère que vous le voyez bien chez vous. En gros, celle-là, elle est sur un niveau. Celle-là, elle est sur deux niveaux. Celle-ci va être sur trois niveaux. Et je crois que ça ne va pas suffire. Auquel cas, j'ai un plan de secours. Mais est-ce que là, trois niveaux, est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est à l'étage qu'il faut? Alors ça, ça demande un petit peu de délicatesse. Voilà. Si, là, c'est bon. Et donc, on a notre tuyau qui est fuselé en crevette. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien où que ce soit. Comment je peux vous montrer ça bien? Parce qu'il faudrait être de côté, en fait. Voilà. Alors, sinon, je vais tout démonter, puis je vais tout remonter. L'idée, hop, c'est qu'on doit obtenir quelque chose comme ceci. Voilà. Donc, c'est pour ça que là, le niveau est très important. Je suis complètement fixe et coincé par cet élément-là. Mais là, ça me paraît bien. Et donc, en fait, la bille va arriver dans le tuyau du haut, glisser ici et repartir dans le tuyau en dessous. Puis, il va faire sa petite descente en escalier. Alors, comme après, je vais recouvrir, si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne, les escaliers. Alors, évidemment, comme là, je n'ai pas de mouvement, il faut que je force un petit peu. Tac. Voilà. Bon, puis, c'est le principe d'attendre que ça fait tac, tac. Alors, l'escalier, je ne crois pas que ce soit forcément dit d'ailleurs dans les façons de fabriquer, mais c'est quelque chose qui vient assez naturellement. Si vous tapez Gravitrax sur YouTube, vous allez voir plein de gens qui s'en servent comme ça, parce que c'est très bizarre, hein, mais il y a un côté super plaisant à juste voir sa bille passer sur un petit tuyau, puis faire tac, pardon, passer la bille dans le bout de tunnel et faire tac sur le niveau suivant, et puis juste sonorement le petit claque de la bille. C'est un truc qui est plaisant à entendre. La bille, c'est des plaisirs simples. Hein. Alors, qu'est-ce que ça dit? En hauteur, on a dit « Oui, je grimpe !» Tu en as le temps d'expliquer, mais c'est laborieux. Bah oui, c'est-à-dire que normalement, comment dire? Ça, je le fais. Je ne raconte pas ce que je fais en même temps. Là, j'essaye d'expliquer à quoi servent les éléments en n'ayant pas de caméra pour pouvoir zoomer, tout en essayant quand même de faire que cette vidéo soit pas chiante, tout en essayant de m'amuser moi-même à construire. Donc, c'est toujours un petit peu délicat. Bon, là, on a ce truc-là qui est bien, mais c'est fou, ça. J'ai pas l'impression d'être au bon niveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, bah si, c'est bon. Là, par contre, j'ai plus mon arrivée qui est en face des trous. Alors, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je mette un petit virage, puis... Non, bah, puis un petit. Je n'ai pas fait de gros virage pour l'instant. Hop, on remet. Et là, la bille arrive pile en face. Je vais mettre mon doigt pour ne pas la faire se coincer dans l'ascenseur. Parce qu'en fait, ce que je voudrais, c'est qu'on voit une bille rouge entrer dedans et une bille rouge ressortir. C'est un petit peu plus joli. Mais si je commence à envoyer ma rare bille rouge là-dedans, après, je vais être pris dans des problèmes. Il va falloir que je démonte tout pour enlever les billes et les remettre dans l'ordre que je veux. Alors, on pourrait s'en fiche, hein, juste mettre des billes de couleur et ça part dans tous les sens. Mais là, comme j'ai envie que vous voyez du début à la fin ce qui se passe, la bille rouge, je pense qu'on la voit pas trop mal et la voir vraiment tout le long du circuit, ce serait plus pratique. Donc, je vais juste, pour la peine, remplacer ce virage par cette arrivée, histoire que la bille n'entre pas là-dedans, mais qu'on voit qu'elle puisse l'atteindre. Je vais vérifier, hop, ici, que ça se passe bien et on va regarder ce que ça donne. Tac.
Alors, c'est con, mais c'est super satisfaisant. Et là, on fait vraiment un truc simple, hein. On fait rien de très très compliqué, hein. Mais déjà, c'est le plaisir. Et alors, quand on s'amuse derrière à faire des trucs qui n'ont vraiment pas de sens, ça commence à être super plaisant. Alors, je vais continuer ici. En fait, je pense que je vais faire tout le départ ou en partie avec les tunnels, parce que les tunnels, c'est rigolo. Pourquoi je le mets droit, lui? Pourquoi en fait je le mettrais pas en virage? Et ça y est, je démonte ce que j'ai fait et tout va péter. Non, c'est bon. C'est quand même des trucs hein, assez solides aussi. Hein. Voilà, vous me voyez démonter, mais ce sont des éléments qui tiennent vraiment. Hein. Vous pouvez le mettre dans la bouche d'un enfant et pas de problème. Alors, hop, on va faire des petits virages. Il y a aussi. Alors, est-ce que je peux le démonter pour vous montrer le système? Évidemment, non. Il existe aussi des. Alors, comment on pourrait dire ça? Des Y. Et en fait, à l'intérieur du Y, il y a un petit loquet. En fait, le plus simple que je peux vous montrer, c'est exactement le même principe que celui-là, mais en secret. Ça rajoute le petit côté de on ne sait pas vraiment jusqu'où va aller la bille, jusqu'à ce qu'elle apparaisse d'un seul coup. Ça permet de faire donc deux chemins différents. Ça permet aussi d'envoyer deux billes différentes et d'en faire une première qui arrive. Et quand elle part, alors comment bien montrer ça du dessus? Quand une bille entre, elle part d'un côté et vous voyez que ça tourne le petit loquet, ça tourne le petit chevron et la bille suivante va du coup aller de l'autre côté et faire tourner le chevron, etc., etc. Ça demanderait à ce qu'on ait deux billes d'un coup. Alors, je ferai peut-être juste un truc spécial pour montrer ça après parce que là, comme je vous l'ai dit, j'ai pas trop envie de m'embêter avec des choses trop compliquées. Parce que commencer à gérer deux circuits de billes à la fois, c'est complexe, puis c'est déjà un peu ce que je fais. Qu'est-ce que je pourrais faire de sympa? Ça va avoir, pardon, parle français, besoin d'élan. Donc, je vais plutôt faire comme ça pour laisser de la place ici. Donc ici, ce qu'on va s'adonner à faire, c'est donner un petit coup de peps, parce que là, on est trop longtemps sur le même étage, et ça risque de faire arrêter la bille, parce qu'au bout d'un moment, il n'y a plus suffisamment d'élan. D'où l'importance de constamment refaire des descentes, refaire des petits coups d'accélérateur comme ça, que ce soit pour démonter, mais même pour continuer tout droit, c'est important. Et là, en élan, j'avais sorti la gouttière tout à l'heure, on va sortir la gouttière, ça peut être assez sympathique. Qu'est-ce qu'on peut faire de bien hop, avec? Alors, la gouttière demande à être un étage plus haut. Donc, on va être un étage plus haut. On va se lancer avec ça. Hop. Je pense que je vais finir par mettre le départ pas très loin parce qu'après, je vais avoir des soucis. Alors, la gouttière, et je suis en train de me dire, Germain, tu fais une connerie. Quoique, non, en fait, on va se retrouver bloqué, c'est pas très grave. La gouttière, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va commencer à charger des billes au fur et à mesure. Et puis quand ce sera trop lourd pour le poids de la gouttière, tac, elle va basculer dans l'autre sens et ça va circuler. Sur quoi on peut voir ce système? On le voit pas mal sur, si vous voyez ces espèces de mini-jardins. Alors ça ne doit pas être des jardins japonais, des fontaines japonaises. Avec des systèmes de juste, on regarde l'eau qui coule. Hein. L'eau qui coule, c'est aussi passionnant que les billes qui glissent. La vie est faite de plaisirs étranges. Et donc, ça remplit petit à petit, petit à petit, petit à petit la gouttière. Donc, on voit juste une seule coulée d'eau et d'un coup, clac, la gouttière est trop pleine. Ça dépasse, ah la vache, le point de bascule et bam, elle bascule, comme son nom l'indique. Toute l'eau s'en va et puis, une fois qu'elle est à nouveau légère, elle reprend sa première position, elle se fait remplir d'eau et ça crée un espèce de petit mouvement perpétuel comme ça. Pour peu qu'on ait bien sûr une pompe qui remonte l'eau. Qu'est-ce que donc je voulais faire avec ce truc-là? Je voulais aller là. On va caler un départ par ici. Hop. Et puis, qu'est-ce qu'on va se mettre comme départ? On va mettre le départ classique, mais on mettra qu'une seule bille. Qu'une seule bille, sauf que ça veut dire qu'il faut que j'ai déjà des trucs dans ma gouttière. Ça va m'embêter, cette gouttière. Il faut que j'ai plusieurs billes qui arrivent dedans d'un coup. Donc, dans ce cas-là, je vais mettre un départ comme ça, et puis je lâcherai tout d'un coup. Alors ça, c'est plus un système de réception de billes, hein, en général. Mais vous faites arriver des billes qui
tombe dessus et voilà, le système un petit peu concave, on va dire ça, va récupérer la bille et puis à la fin, c'est tout amené vers un tuyau, ça fait un petit peu, ça termine en entonnoir et ça permet d'aller dans une direction. Donc ça permet de récupérer des billes qui sont lancées, par exemple avec la catapulte, qu'on essaiera peut-être tout à l'heure. Là, ça voudra dire qu'il faut que je lâche plusieurs billes d'un coup. En fait, j'aurais peut-être dû le mettre plutôt avec ça. Mais c'est pas grave, parce qu'avec ça, j'ai une autre envie que j'ai bien envie de me tenter, qui risque d'être un peu barrée. Donc, quoi est-ce que... Là, je vais commencer à partir dans des trucs chelous. J'avais envie d'essayer de vous montrer les... Quel suspense ! Trampolines. Alors, par contre, ça veut dire que je vais partir par là-bas. Donc, je vais un peu tirer mon petit travail. Je vais m'assurer que vous voyez quand même encore ce qui se passe. On va amener un rack de plus parce que ça va finir dans le vide. Non, sans tout casser, voilà, en l'encliquetant bien, hop. Alors, pour les trampolines, ce qu'il faut faire, c'est leur donner un petit peu d'élan au début. Alors, d'élan entre guillemets. En fait, il faut leur donner suffisamment de hauteur pour que ça tombe dessus et qu'il se passe un truc intéressant. On va mettre pour cela, tiens, on va le mettre là, hop, le trampoline juste ici. On va le faire arriver... Est-ce que je peux caler ? Oui, je peux caler un rail. Alors ça, c'est bien parce que j'ai pas regardé d'ailleurs. Ça, je crois qu'on peut mettre un rail, mais on peut aussi le caler. Non, on ne peut pas le caler dans un... Non, il faut forcément lui mettre un petit rail après. Par contre, ça voudrait dire que j'aurais pu être très loin d'une piste et mettre un très long rail pour y aller. C'est tentant. Il y a un autre truc là tout de suite qui est grave tentant plus que le trampoline, c'est d'aller essayer... Oui, ça me tente plus que le trampoline, c'est d'aller essayer le nouveau virage. Alors, je regarde un petit peu ce que vous racontez parce que j'ai vraiment les trucs un par un. Je me suis pas remis du flip, non. Oui, c'est un jeu avec des points de bascule. Il y a plein de points de bascule dans le jeu. Oui, c'est vrai, oui, je sais ça. Je suis un influenceur en billes. Non, mais ça arrive. Alors, on va tenter la grande descente. Ah, puis en plus, je suis pile à l'étage qu'il faut. Bah, écoute, coup de coco. Par contre, non, il y a une merdouille là, ça va jamais arriver là-bas. Si ? Est-ce que vous le voyez encore ? Oui, vous le voyez. Hop. Eh oui, je suis trop juste. Alors, comment je le gère, pépère ? Non, bah, sans casser derrière ce qui se passe. Comment je me donne ces quelques centimètres qui manquent ? Alors, est-ce qu'il faut que je sois plus haut ? Bah oui, tout simplement, il faut que je sois plus haut. Alors, je vais caler ça là. Non, ça ne suffit encore pas. Il ne me manque pas grand-chose. Je vais caler un tout petit. Hop. Hop. Non, ça ne suffit pas. Alors, en fait, c'est un grand qu'il fallait. Tac. Tac et tac. Et tac. Tac, c'est just limit, mais c'est pile ce qu'il faut. Et voilà, alors, ce grand rail-là, oui, on le voit bien. Donc, vous voyez qu'il est un peu tordu. Il sert, bien entendu, il a été réfléchi surtout pour donner pas mal d'élan à notamment des choses qu'on a besoin, comme le looping, mais il peut servir pour d'autres choses. Hein. Si vous avez juste envie de l'intégrer à un endroit parce qu'il est esthétique, design, rigolo, parce que si vous voulez se faire croiser différents niveaux et puis qu'après vous voulez poser des voitures dessus pour jouer à Tokyo Highway, c'est possible et c'est plus pratique avec celui-là parce que comme il ne croise pas tout droit, il peut éviter des rails. Je dis n'importe quoi. Je raconte vraiment de la merde. Alors, on va essayer, j'ai toujours mon safe en place. Je vais voir ce que ça donne avec la gouttière. Alors, si je lâche les billes, ça donne quoi ? Super, ça a lancé toutes les billes sauf la rouge et j'ai pas déclenché le marteau. Génial ! Ah, mais j'ai une pente légère aussi. Qu'est-ce que c'est que cette table ? On n'est pas droit chez Trick Track. C'est, bah oui, mais alors, c'est une honte dans ces cas-là. Et là, évidemment, ma bille rouge se cale bien au fond. Putain, mais c'est sérieux. Quoi. Je renvoie la première grise. Et la grise, elle y va, mais c'est pas possible ! Voilà. Alors, ce jeu n'est pas exempt de l'effet Bonaldi.
Hein? Alors, je vais tricher. Je vais déjà charger des billes dans le canon. Dans le canon, dans la glissière. Et normalement, comme ça, la dernière arrive et... qu'est-ce que c'est? Ah, en fait, il en faut que deux. Ah, en fait, il en faut que deux. J'en cale une dans le fond. Et la rouge y va. Ça m'agace. Ah, ah, ça m'énerve. Ah. Ben oui, mais quand il y en a deux, tu veux pas. Et quand il y en a qu'une, tu veux pas, mais pas pareil. Oh putain. Pourquoi donc? Pourquoi donc, commandant Cousteau, elles font pas le même poids? Bah si. Pourquoi que la grise tu veux et la rouge tu veux pas? Et là, mais enfin quel problème avec cette gouttière. Alors c'est dans ces moments où, ça tombe bien, je l'avais pas sorti, sortons le manuel de la gouttière qui nous montre bien trois billes. Personne n'est dupe. Ici, ils font quoi? Ils envoient trois billes. Elles se remplissent au fur et à mesure, et quand la troisième arrive, ça part, bah oui. Alors peut-être que j'arrive trop mollement et que j'ai pas assez d'élan, c'est quand même possible aussi. Des fois, il faut pas toujours incriminer le matériel, il faut aussi incriminer les lois de la physique, qui ont tendance à être des vraies petites nuances. Alors, là, mon problème va être de me donner de l'élan, on va retirer l'idée de ça, ou alors à la rigueur, je vais les mettre là pour faire zoin-zoin avec, parce que c'est rigolo. Tac, on met un tout droit, on met un qui tourne, et on est coincé comme un con. Mais c'est pas possible d'être bête à ce point-là. Alors, tac, tac et tac, voilà. Là, il va quand même falloir sacrément d'élan. Hein. Ça va peut-être pas marcher, ce que je vais essayer de faire. On va donner de l'élan, on va donner... un bon coup d'élan. Et non, cette vidéo n'est pas sponsorisée par le Canada. On va donner un bon coup d'élan ici avec un virage qu'on va mettre plus loin parce que je suis bigleux. Hop, avec un virage un peu serré. Tac, je pense qu'on peut même se donner encore un cran de plus. Hop et hop. Et là, un départ. Tac. Voilà. Vous allez être témoin en live de ma douitude ou pas. Est-ce que j'ai réussi à troller le jeu? Est-ce que j'ai réussi à maîtriser la gouttière? Oui! Oh, puis ça part! Oh, puis ça part! Oh, c'est bien! Voilà, j'espère que vous avez été témoin, parce que j'ai dû mettre ma grosse tête devant. Non, c'est bon, ça ne se penche pas trop. Alors, qu'est-ce que ça raconte? J'ai vos messages par intermittence. Il faut lécher les rails pour les rendre plus glissants. Très bon conseil. Je vais tenter. Trick-track n'est pas droit. Oui, bah ça, et qu'est-ce que vous voulez, hein? Toi aussi, regarde cette vidéo en ne te rendant pas compte de ce double sens. Non, non, mais je le fais un peu exprès. Des fois, j'arrive mal. Ah, celle-là, je ne l'ai pas vu venir. J'ai rien vu, tu peux la refaire. Alors, oui, oui, on va la refaire. On va la refaire parce que là, ça casse rien. C'est juste chiant ici. Donc je récupère juste mes billes là, je vais me faire un autre petit spot de triche. Je vais récupérer quoi pour faire ça? Je vais récupérer ça. Ah oui, tiens, bah j'en profite. Cet élément-là, voilà, l'élément que là, je me suis servi pour lancer, comme ces éléments, cet élément tout plat, où en fait la bille arrive et puis bah derrière, elle ne rencontre que des butées, donc elle n'est pas relancée derrière, arrive en fait, ce sont des hexagones à trois entrées et vides. Et il y a plusieurs petits éléments plats qui peuvent venir s'encliqueter dedans. Et d'ailleurs, si je ne dis pas de conneries, en fait, eux aussi, eh oui. Ça permet, il y a plus d'éléments verts que d'éléments blancs, et ça permet une certaine souplesse dans vos créations. Alors, on pourrait se dire, bah, ils auraient pu en mettre plus dans la boîte, mais Gravitrax, boîte de base. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, et JB, si tu me surveilles, foudroie-moi. Je pense que la boîte de base est aux alentours des 40-45 euros, entre 40 et 50. Ça doit être dans les 10-12 euros, les petites boîtes d'extension. Bah, évidemment, j'ai que des grosses. Les petites boîtes d'extension, hein, celles qui n'ont qu'un élément, comme le looping, le marteau, les,
les canons supplémentaires. Ça doit être autour donc des 10 euros, je pense que même 9,99, je ne dis pas de conneries. Mais vous avez juste l'élément dedans, parce que c'est quand même beaucoup de plastique et que au bout d'un moment, ça coûte quand même un poil de chair de faire ça. Et donc, si on prend déjà tout ce qui existe en un exemplaire, on a quand même largement déjà de quoi faire. Hein. Je pense que vous voyez un petit peu sur la table, je dégueule de matos, je me sers rarement de tout à la fois. Et puis, ce n'est pas toujours forcément intéressant d'utiliser tout. Là, c'est un petit peu particulier dans le cadre de la vidéo. Et encore, je vous ferai peut-être juste des mini-montages pour vous montrer deux, trois éléments qu'on verra pas. Tout ça pour dire quoi? Donc, que ça permet de laisser une certaine souplesse à ce qu'on fait. Et pourquoi je disais ça? Parce que oui, je veux m'en créer un provisoire. Quel était le fil de ma pensée? Là, pour juste récupérer les billes blanches. Voilà, hop. Elles sont là. Je remets mon virage. Vince, regarde parce que ça va être maintenant. Le marteau est en place. En place, j'ai dit. Ça, c'est en place aussi. Alors, la bille est rouge. On devrait bien la voir sur les fonds blancs et verts. Tout le monde est prêt? Ah non, j'ai pas recalé ça. Ok. Si vous êtes prêts, je pense que pour le final, je prendrai peut-être une caméra de côté et j'essaierai de bricoler un truc. Ok, vous êtes prêts? C'est parti. Hop, ça passe dans le tunnel. Ça passe en dessous des escaliers. Le marteau qui tape, le coup de... J'ai même pas le temps de commenter. Hein. C'est pire que... Ah oui, Thierry, c'est incroyable, notre joueur français remonte la piste. Oui. Non, tu veux plus bouger là? Voilà. Hop, plus simple. Hop et hop. Donc, là j'ai ça pour ça et là j'ai ça pour un virage qui doit quand même continuer à exister. Tac. Bon, je pense que j'ai un départ. Maintenant, on va s'inquiéter de l'arrivée. Déjà, est-ce que ça marche cette chose? Oui! Le cri du cœur. Ça marche. Bien. Alors là, tout de suite, j'ai envie d'essayer un truc que j'ai vu faire. C'est d'avoir un rail qui traverse le looping. Mais alors, il faut vraiment bien le mettre pour que ça ne vienne pas gêner la bille. Sinon, elle va venir taper contre et soit ça va rater le looping, soit elle va retomber sur le rail et repartir, ce qui est drôle quand même, hein, mais ce serait dommage. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que ça parte du looping, que ça fasse quelque chose et puis que ça revienne sur le rail et que ça retraverse le looping. Alors, j'ai vu des gens encore plus forts. Non, en fait, c'est les mêmes. C'est les gens de chez Gravitrix. Utiliser la catapulte et avoir visé pour que la catapulte décolle à travers, enfin que la bille catapultée passe à travers le looping. Mais j'ai sincèrement peur de ne pas avoir le recul nécessaire pour faire ça là, et ni le temps. C'est-à-dire qu'après une vidéo, cette vidéo va déjà être longue, et donc si pendant 3 heures je suis juste en train d'essayer de régler mon truc, ça ne va quand même pas marcher. Où en est JB? Faut du souffle en plus de la délicatesse. Oui, non, là, c'est parce que je coinçais mes trucs qui étaient... Je décoinçais mes éléments qui étaient coincés. Hein. C'est... La première fois, c'était déjà étonnant. J'ai envie de partir à Patchik. Alors, donc, je vais pas tenter la catapulte. Par contre, je peux tenter ça. Et ça, je le connais pas. Alors, la catapulte, on va vous la sortir. Je vous la montrerai peut-être si j'ai l'occasion de trouver un truc, genre de ramener les billes par ici, par exemple, en utilisant la catapulte, ça peut être rigolo. Là, ce que je veux plutôt faire, alors on a vu le looping, petite boîte aussi. Et là, on va regarder une autre petite boîte qui est le flip arrière. Alors, le flip arrière, c'est comme le festival, mais vous commencez par le dernier jour et vous allez jusqu'au premier. Le flip arrière. Ça consiste à amener la bille dans ce, alors comment le montrer, hop, dans ce sens-là. Et elle va repartir dans l'autre sens. En fait, elle va arriver au bout du système, ça va le déclencher. Et ça va lui donner l'élan pour repartir dans le sens de départ, mais un étage plus haut. Et là, je pense qu'en termes de un étage plus haut, on n'est pas hyper loin de la vérité. Ça veut dire... au moins niveau 3.
Sauf que je me mets devant le chemin que je veux prendre. Et ça, c'est con. Ça veut dire qu'on va utiliser, hop, une petite galette ici. Il ne va pas y avoir le choix. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? J'ai pas forcément besoin qu'elle soit très haute, ni très loin. Voilà. Alors, sachez qu'à la base, j'avais installé parce que j'avais juste prévu d'être dans ce couloir et de ne pas aller plus loin. Voilà, donc comme on le voit, hein, on respecte largement nos principes. Hop! Tac. Ah, mais c'est ça, hein, depuis qu'on est vendu, on fait n'importe quoi. En plus, on comprend même pas ce qu'on nous dit de faire, puisque du coup, on présente des jeux qui sont pas Asmodée. Enfin, franchement, puis on en dit du bien, quoi. Ça, moi, je trouve ça dégueulasse. Alors, donc. Pardon, j'ai fait un petit tour sur la communauté des ludistes ce matin. J'y ai ramené Fal et on s'est marré. Mais j'ai toujours le même problème. Toujours le même problème, c'est que ça, en fait. Ça doit être là. Ça doit être là. Putain. Comment je fais ça? Ouais, c'est un jeu pour enfants, je jure, comme un charcutier. Bah oui, et bah comme ça, c'est très bien. Alors, on va juste se donner des trucs un petit peu plus stables, parce que sinon, là, on va se péter la tronche. Hop. Je ne sais pas encore où je vais avec tout ça, mais j'y vais. Tac, le looping. Tac. Donc là, on est au niveau, sauf qu'on est pétard de trop bas. Mais non, on n'est pas pétard de trop bas. Mais non, jamais, jamais, monsieur. Jamais on est trop bas, puisqu'on fait ça. Et qu'on peut encore aller plus haut. Alors ça, par contre, ça m'intéresse pas, si on peut encore aller plus haut, parce que ça veut dire... Non, ben non, lui, si je le remonte trop, ça va pas le faire. C'est juste lui qu'il faut que je remonte, en fait. Tac. Alors, donc, on cale ça ici et on est putain de trop haut. Donc, on met un demi et on est au bon niveau. Voilà. La science, c'est dur. Alors, ensuite, eh ben, tiens. La bille va arriver là et elle repart dans l'autre sens. Hein. Je ne dis pas de conneries. Tac. Elle repart par là. Un petit récepteur par ici, ce serait pas mal. On va caler lui là. Je pense, par contre, que j'ai mis mes piliers trop au centre, voilà, on voit que c'est pas stable, mais c'est normal, c'est moi qui ai fait une bêtise. Tac. Donc on va décaler les piliers, mais on veut quand même pas être devant ça. Donc on va décaler les piliers là. Hop. Un ici, donc un ici. Hop. Et un là-bas. Et on devrait se mettre bien. Voilà. Ça m'a l'air pas mal, il va falloir quand même réfléchir à ce qui se passe là-bas, mais on va y venir, on va y venir. Là, hop, tac, même hauteur, même problème, un tout droit. Oh, je peux le mettre plus loin. Ah ben non, parce qu'après il faut qu'il descende. Oh, ça va être vraiment court, ça va pas être très impressionnant, mais on l'aura fait quand même, et si on y arrive, on est content, et on n'est pas content parce que... Le câble est bien trop bas. Alors vous ne le voyez pas, mais moi où je suis, je vois qu'il est trop bas et que la bille en fait va taper dedans dans le looping. Donc, et on ne veut pas que la bille tape au fond du looping. C'est parti. Donc là, c'est un peu plus haut. Je pense qu'un étage plus haut, c'est encore mieux. Et je fais très confiance dans l'élan de mon truc. Ça m'a l'air bien. Ça m'a l'air bien. Ça fait une grosse montée. Ça refait une grosse descente derrière, évidemment. On en a demandé un peu trop, donc on va caler ça. Et j'avoue que j'ai un peu peur d'une grosse descente avant le... Mais que je suis con. Une grosse descente avant ce truc-là. Alors vous voyez que la catapulte, hein, on place des petites billes dedans pour la lester, parce que l'effet du ressort de la catapulte est tellement violent qu'en fait il faut 4 billes pour maintenir du poids, pour rendre la structure plus lourde et être sûr que ça parte. J'ai consommé tous mes gros piliers. C'est-à-dire que je vais commencer à employer des petits piliers pour faire des gros. Ça, c'est mal. Est-ce que mon truc fonctionne? Je vais provisoirement mettre une arrivée là-bas aussi. J'en ai plus. Non, mais c'est pas grave, j'utilise celle-là.
Ça risque de décoller quand même, hein, mais on va voir ce que ça donne. Est-ce que déjà la bille fait le looping sans taper le rail? Oui, ça c'est bien. Ok, première étape validée. Maintenant, le problème, ça va être qu'on doit arriver là en dessous. Alors, je vais mettre premier virage comme ça. Hop, qui me permet... Qu'est-ce que j'ai mis? Où est-ce qu'il va? Il arrive là. Je vais mettre un deuxième virage comme ça. Voilà. Et puis, ben tiens, là, je me mettrais bien un petit truc en réception, en fait. Hop, pour donner juste ce qu'il faut de poil d'élan. Et pour y aller, on va mettre un autre tout droit. On ne va pas faire très compliqué. La bille va arriver là, devrait glisser en dessous et repartir par là. Je vais pour l'instant pas mettre la catapulte parce que je veux pas... Quoique, bah si, comme ça je saurai où est-ce que ça atterrit à peu près. Alors, ça devrait arriver approximativement par là. On va voir. Suspense avec le ça. En gros, j'ai peur que ça aille super loin. On va prendre une petite bille bleue. Et on va regarder ce que ça donne. Super, c'est trop fort. Réfléchissement, Jean-Pierre. On va faire autrement. Est-ce que... Non, ça ne tiendra pas là-dessous. C'est trop haut. C'est beaucoup trop haut. Je ne vais jamais réussir à glisser. Ah, si. Hein, faudrait... Alors, faut... J'ai juste peur qu'en fait, j'ai mis... que l'étage là soit trop bas et que la bille se coince. Parce que ce que j'ai en tête... Là, tout de suite, maintenant, c'est d'avoir ça ici. Et qu'en fait, la bille va arriver comme ça et va glisser là. Mais le truc, c'est est-ce que là, l'étage ne sera pas trop bas et en fait, elle va juste se coincer comme ça, comme une con. Ça m'est déjà arrivé de vouloir trop tenter le diable et parfois, il faut... se remettre en question. Non, je crois que ça va passer quand même. Et là, ce qu'on va faire pour aller là, alors on a le choix entre deux. Ce système-là qui permet bah, juste d'aller à un autre étage. Hein, la bille arrive et puis pouf, hein, c'est un trou. En fait, si je le démonte, voilà. Bah, c'est d'ailleurs, tiens, un des vides supplémentaires et des éléments organisables un petit peu comme on le souhaite de Gravitrax. Ou bien on peut se mettre un petit peu d'esthétique dans l'œil, mais j'ai peur qu'avec la vitesse, ça ne le fasse pas quand même. Et mettre... Un petit fond de lavabo. Est-ce qu'avec un fond de lavabo, ça marche? Un siphon. Arthur Couillère, qu'est-ce que vous racontez? Allez, ça fait déjà un moment que je suis là. La vidéo a commencé hier. Il a tiré quoi comme objectif? J'ai tiré... En fait, j'ai des pièces à installer, c'est ça. Et je dois m'en sortir. Que ça passe, mais il n'y a pas d'élan. Ça passe, mais il n'y a pas assez d'élan. Ah là là. Ça coince là? Non. Oh, la saleté. Mais que je me perds, ça marche pas. Eh ben, ça arrive. Ça arrive. Et dans ces cas-là, il ne faut pas pleurer. Qu'est-ce que je peux faire pour te donner l'élan d'y aller? C'est con, j'aurais vraiment aimé que ce truc-là, il fonctionne. Ça aurait été rigolo. Attends, tous les espoirs sont encore permis. Si elle marche pas, on va se tenter l'autre. On va se tenter celle que j'avais en main tout à l'heure. La sortie, elle est où la sortie? Enfin la sortie, le passage au niveau d'en dessous, il est là. Hop! Est-ce que toi, tu fonctionnes? Bille bleue. Hop, ça donne quoi? Non, mais ça coince là, en fait. En fait, je pense que ça tape ici en remontant. Ça doit donner un coup juste là et du coup, il... Mais non, c'est parce que j'ai mal mis le truc. En fait, je suis juste une nouille. Non, oui, c'est ça. J'enfonce mal les éléments et du coup, ça marche pas. Vraiment, pour le coup, c'est le cas de le dire, je suis vraiment une bille. Alors, hop,
Hop. Qu'est-ce que ça donne? Ah, ça marche pas. Ça marche pas. J'ai voulu faire trop compliqué. Mais en même temps, si ça marchait, ce serait bien. Gravitrax, comme tout jeu solo, rend fou. C'est une chose qu'il est important de savoir. Punaise, comment je t'emmène là? J'ai trop envie de t'emmener là. J'ai trop envie de t'emmener là. J'ai trop envie de t'emmener là. Et si je mettais l'autre comme ça? Problème, solution. Si problème, solution. Il faut quand même que ça donne vachement d'élan ici. Alors, on va en fait changer nos plans ici. Si au lieu de ça, je reviens à ça, est-ce que ça passe? Je pense que ça passe. C'est-à-dire que lui, j'ai juste à lui mettre 1,5 pour le mettre au même niveau. Hop! Ce qui veut dire que là, je peux être dans cet axe-là. Je pouvais déjà avant pour que je ne m'y mettais pas. Mais des fois, je ne comprends vraiment pas ce qui se passe dans mon cerveau. Pardon, France. Tac, un tout droit, hop, ici, on va là, ça y est, je suis parti en mode, j'explique plus ce que je fais. Non, mais vous allez voir que ça va être bien. Et là, du coup, on regarde ce qui se passe à l'étage d'en dessous. Et à l'étage d'en dessous, si, c'est pour ça que j'ai fait ça. Non, pas du tout. À l'étage d'en dessous, je veux relier ça à ça. Alors, c'est tout droit, c'est bien, sauf qu'il n'y a pas de rail assez long pour le faire. Donc, on va mettre un intermédiaire. Et on va juste espérer que le canon envoie vraiment de la patate et que tout ce délire est viable. Non, tu t'en cliques plus. Voilà. Hop, hop. Ça veut dire que quand on sort du looping, on arrive en looping, là, on tourne. On tourne. Et on abaisse. Hop. Ça va pas bien. Eh ben tiens, on va mettre le trampoline là-bas. Alors, le trampoline, que je me rappelle, trampoline tout seul, ça va tout droit. Trampoline avec un virage, ça va ici. Trampoline avec deux virages, ça tourne carrément. Sauf que je suis trop près. Non, si, c'est bon, ça passe. Sauf que je l'ai mal mis. Eh, mais voilà, là en face, hop, non, tu veux plus, si tu veux, ouais. C'est juste limite du bord, mais il y a moyen de moyenner. Il me refaut un truc qui aille tout droit, hop. Alors vous voyez que les tout droits, c'est aussi des croisements. Il y a notamment un truc très joli avec une forme en, comment dire, en 8, mais quand ça tombe en infini, avec quelqu'un qui a créé ça pareil sur Gravitrix. En utilisant ce petit système-là, la bille arrive et en fait, elle fait le 8 de l'infini avant de repartir dans un trajet de plus. C'est très, très, très joli à regarder. Pour l'instant, ça ne change rien à ce qu'on essaye de faire. Et là, j'ai à nouveau un problème. Comment je conserve suffisamment d'élan? Ah, ça, puis déjà, là, ça n'en a pas assez, en fait. Ou trop. Il faudrait que ce soit plus haut. Donc, toi, tu es une mauvaise idée. Désolé, tu es le maillon faible. Au revoir. J'ai trop envie de faire ça. C'est très agaçant. Mais ça se trouve, ça ne va pas fonctionner non plus. Mon problème, c'est qu'arrivé ici, il faut que j'ai assez d'élan pour aller jusque-là. Et j'ai très, très peu de dénivelé. Alors, qu'est-ce que j'ai pour me redonner un coup d'élan? J'ai ça, mais ça, ça ne va pas taper assez fort. Ou alors, on va découvrir ce que nous propose le cannonball, mais on va en mettre une seule. Alors, le cannonball, normalement, c'est une bille arrive dedans et on en met d'autres. J'ai perdu une bille bleue.
Bah, je la retrouverai après. Donc, on a le petit cannonball qui est chargé. Donc, pareil, petite extension récente Webnir. Pardon, je dis n'importe quoi. C'est pas le cannonball, c'est le volcan. Hop. Le volcan, on a ici un petit truc avec un bouton. En fait, une bille va arriver avec l'effet de pression de la rapidité qu'elle atteint. Elle va taper le bouton. Ça va déclencher le volcan et faire pousser les billes qu'on a mis dessus. Nous, pour notre exemple, on n'en a besoin que d'une seule, puisqu'on n'en a qu'une à qui on doit donner masse d'élan. Masse d'élan pour l'amener à faire ça, puis à faire un petit circuit qui l'amènera jusque là. Alors, ça me demande quoi à peu près ? Un ici, un là, ça peut le faire. On n'a pas besoin de beaucoup de hauteur. Hop, dit-il en mettant plein. Tac. Si lui, il arrive ici, si je change plutôt pour faire un truc comme ça. Là, j'en mets deux. On est bon. Ça devrait pouvoir marcher. J'ai quand même un peu de doute. J'ai peur de vraiment pas donner assez d'élan à ma structure. Mais en même temps, il faut essayer pour se rendre compte. Tac. Si. Ah oui, bah alors là, si je ne sais même pas foutre un rail droit. Hop, petite descente, virage. Ça donne quoi ? Donc là, la bille rouge devrait arriver là, passer le looping, taper ici pour lancer la bille bleue qui va faire ce petit circuit, qui va venir taper là. Pour taper la bille bleue qui va partir en dessous pour venir aller dans le flip, qui va ramener la bille là-dedans, devrait la faire traverser par ce petit rail l'intérieur du looping et arriver jusqu'à la catapulte. Je vous ai dit que je faisais quelque chose de simple. Alors, on va voir ce que ça donne. Tout le monde est prêt ? Voilà. Vous êtes prêts à vous moquer de moi ? Roy Betty, bien décédé en 2019. Qu'est-ce que vous racontez ? Open KIQ, il fait vidéo en train une vague de suicide. Mais pourquoi ? Alexandre le bien. Mais enfin, où est la nouvelle ligne ? Bah, on nous a dit on s'amuse, donc on s'amuse. Je suis en train. Il y a quand même une trentaine de personnes qui regardent mes conneries. Alors, on teste. Putain, ça marche. Oh ! Ah, il n'y a pas assez d'élan. Ah ! Ah ! Non ! Alors, il faut que je la mette moins haute. Ah ! Ah, c'était le bonheur, puis d'un seul coup, ça s'est arrêté. Heureusement que c'est une émission tout public, parce que putain, vu la tonne de conneries que je sors à la seconde, hop. Ah, là, je crains quand même. Là, je pense que la bille, elle tape le rail. Non, elle tape pas le rail. Hop, on réenclique le volcan. On récupère cette bille bleue. Tac. Ah, il manquait pas grand-chose. Tiens, on va même récupérer des comme ça. Tac. OK, second essai. Est-ce que ça marche maintenant ? Ah, il manque rien. Alors, je vais tricher. Je vais monter lui de 1. Normalement, le rail ne l'atteint plus. Mais lui, je vais le monter de 1 parce que j'espère qu'avec le grand élan donné, hop, là, on est tout droit et ça ne tapait pas. Si ça passe, c'est cool. Et je pense même que ça passe mieux en réduisant lui de 1, en fait. Hop, enfin d'un demi, parce que 1, c'est, en fait, on arrive au même niveau. J'ai juste échangé les niveaux de ces deux éléments-là. On sait déjà que ça ne gênait pas la bille dans son circuit à l'intérieur du looping. Maintenant, lui, comme il est rehaussé, il faut juste s'assurer que ce truc-là donne suffisamment d'élan pour qu'il réussisse à remonter une toute mini pente. C'est pas gagné, mais on peut y croire. Je réenclique tout et on réessaye. Alors, c'est coincé, je ne sais
même pas. Ça fait xclong et le silence. Alors c'est là, elle est pas pu, elle a pas pu monter. En fait, mon problème, c'est définitivement que cette plateforme est trop basse. Le truc, c'est que si je la remonte, j'ai peur que lui trouve que la plateforme soit trop haute. Mais ça se tente. Bon, je tente parce que je veux pas mourir idiot et que je serais content d'avoir essayé. Hop, hop, hop. Alors, tac, tac, tac. Par contre, ça veut dire que toi, faut que je te monte d'autant. Alors, j'ai plus de gros. On va prendre deux petits plats. Non, ça, c'est bon. Il arrive au bon niveau. Allez, voilà. Tac. Et ce coup-là, ici, il donne quoi? Bon, ici, il est d'accord, en fait. Je pense qu'il a une marge de manœuvre qui est plus souple que je ne le subodorais. Hop, parce que oui, je ne maîtrise pas toujours la langue française, mais j'emploie des mots comme subodoré. Qu'est-ce que ça donne? Ok, ça pousse, la bleue part, le canon part. Non, ça tape au cul, putain, ça tape au cul. Ah, c'est très énervant. C'est très énervant. Oh, j'aurais vraiment aimé que ça marche, mon machin. Et si je l'éloigne, ça va plus. Il faut qu'il soit au bord, lui. Mais, est-ce que j'ai maintenant de la place pour faire passer le canon dessous? Non, ben non, ça change rien. Ou alors, en fait, mais... Ah oui, mais c'était ça qui était rigolo. C'est ça qui est drôle. C'est ça qu'on veut. Et ça, le problème, c'est qu'il faut que ça arrive du même sens dans lequel ça repart. Alors. Bon, je vais faire un autre truc. Pas le plus commun. Mais pas déplaisant pour 4 sous. Hop. Mais lui, là. Là, on va mettre à une grosse virage. 1, 2, 3, 4. À une autre grosse virage. Ah non, à une virage normale. Hop, là, j'ai besoin de ça. Là, j'ai besoin de ça. Là, on va complètement changer nos plans. Je suis désolé. Alors, mon objectif, c'est juste devenu de traverser cette saloperie de looping, c'est possible, c'est bon sang de possible, c'est quand même dingue. Hop, tac, je prépare ça pour l'arrivée. Hop, ici. Alors ça donne quoi? Créer un autre Mobius. Waouh! Mais qu'est-ce que vous racontez? J'ai 120 personnes qui vont manger. Les éléments commencent à penser, on l'a perdu. Ah non! J'ai fait tomber mon tout droit! Le mec a oublié les caméras, il frôle l'artiste. Oui, je suis... Demande que je me fasse... Je ne vous lis plus. C'est fini. Là... Ça, je peux certainement l'atteindre. Oui, mais pas avec ça. Avec ça. Non, putain. Je peux pas. Je ne peux pas faire ce que je veux. Ah, c'est un échec. Ma vie est un échec. Alors, j'ai un autre élément que je n'ai pas essayé. Qui, lui, permet de partir dans quel sens? Lui, il permet de continuer d'avancer. Hein. C'est ça, hein. Oui, la bille arrive dans le sens A, elle repart dans le sens A. Ok. On va se tâter de celui-là. Alors, cette grosse chose qui utilise deux billes lourdes,
s'appelle la cascade. Et la cascade, ça utilise un principe physique que je ne connais plus, mais en gros, ça va taper et il va y avoir un espèce de double effet d'envoi. Enfin, vous allez voir, ça va être plus clair à montrer qu'à raconter. Toi, t'arrives où, par contre? J'ai besoin de savoir. Tac. Tu arrives. Tu arrives à quel niveau de hauteur? Tu arrives à ce niveau-là. Dis-moi que tu arrives à ce niveau-là. Presque. Il y a moyen, il y a moyen, il y a moyen. Il y a moyen, il y a moyen d'arriver à faire des choses avec ça. Si je mets ça là, si je mets le grand trait là. Trop bas. On va te remettre plus haut. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, je change de technique. Je change de système de remontage. Est-ce que maintenant, ça passe? Alors, la cascade, je ne l'ai pas encore essayé. Donc, devant vos yeux ébahis, on va pouvoir tous se moquer de Germain ensemble. Alors, ça donne quoi? J'ai un poil qui traîne. Poil de barbe. Alors, tac, ok, ça balance. Pourquoi ça ne fonctionne plus? C'est le même qu'avant. C'est le moment où avec Gravitrax, tu deviens fou. Ah, mais pourquoi il veut plus rien? Tac, hop, le canon, voilà, nickel. Toi, tu pars, tu arrives là et tu te croûtes lamentablement. Et tu te croûtes lamentablement. Et c'est là où on est content d'avoir un manuel. Comment ça fonctionne? Bah ouais, là, ils en mettent un direct. Pourquoi qu'il ne veut pas le mien? Bah, enfin, il est peut-être trop bas. Alors, dans ce cas-là, hop, ici, je le mets niveau 2. Ici, je le mets niveau 1,5. Hop, hop, le virage. Bon, puis promis, on va mettre une fin derrière. Et puis, je vais juste vous montrer 2-3 autres éléments, histoire que vous voyez un petit peu d'autres possibilités. Bah, elle est là-bas, ma vie bleue qui manquait. Non ! Bon, c'est pas grave. Mais il se croûte par terre! Mais sur le dessin, il ne se croûte pas! Sur le dessin, il est plus bas, peut-être. Bah oui, mais bon. Ou alors? J'ai vraiment l'impression de devenir un enragé. Ou alors, toi là, t'arrives sur jamais assez d'élan, jamais assez d'élan, jamais assez d'élan. Ou bien, est-ce que là, il y aura assez d'élan? Tac, comme ça, lui, il relance de tac. Du coup, là, ça traverse, bam. Ça arrive là-bas, chpouing. Parce qu'après, ça va commencer à faire des bruits. Ok. Là, ce qui me manque, c'est un truc du même étage. Je vais être obligé de... Ah, mais j'ai des comme ça, là. C'est bien, ça. Hop, hop. On va tricher, j'ai plus de tout droit, mais j'en ai un qui fait des virages. On le met au même niveau que les autres. Est-ce que là, tu fonctionnes? Ça roule, ça glisse, ça arrive là-dedans, ça part et ça marche, sauf que j'ai rien mis derrière. Donc, on ne se rend compte de que dalle. Ok, deuxième essai. Enfin, deuxième. Évidemment, si je ne remets pas les choses en place, ça ne donne rien. À 1h du matin, je suis toujours là. Oui, non, non, mais je vais mettre une fin. Je vais mettre une fin. J'ai juste envie de réussir ça. Et je mets une conclusion. Ok, ça passe, ça arrive là-dedans. Non, pourquoi tu sors? Mais il me reste pas des... Mais si, il m'en reste. Qu'est-ce que je m'embête? To dry. Allez, je te dis, ça marche. Ça marche parce que ça... Non, mais je ne l'ai pas branché aussi!
ça marche, ça va marcher. J'ai l'impression de faire un die and retry. Hop, tu pars, tu tisses, tu te roules, tu tapes, tu... Oui, ça fonctionne. Voilà. Alors, on va juste se mettre une conclusion un peu rigolote et puis on va tout lancer du début et on va voir que ça va coincer ici et que ça n'ira pas plus loin et que je pourrais mordre des gens pour ça. On va mettre, comme je le voulais plus tôt, du trampoline en bas. Alors, les trampolines arrivent dans une boîte où c'est une petite boîte aussi. Et vous avez les deux trampolines dedans et les deux éléments de virage qui vous permettent de pouvoir tourner en trampolinant. Le trampoline n'est pas facile à maîtriser. Hein. Je vous le dis quand même, il faut plusieurs essais, le temps de comprendre comment il marche. Et même, mais bon, vous le voyez bien, hein, ça, je viens de le découvrir, il faut des essais. Le flip, je comprends, c'est con, je... Bien aimé. Oh, on pourrait le... Non, on pourrait le mettre ailleurs, mais on ne le fera pas, parce qu'après, ça va durer des plombes. Mais si je le mettais ailleurs, je le mettrais où? En fait, je le mettrais là. Je le mettrais là, parce qu'il arrive à la bonne hauteur. Il arrive à la bonne hauteur, mais il faut que ça arrive dans le même sens. Putain, ça je ne l'intègre pas. Hein. Ça, je ne l'intègre pas. OK. Bien, donc là, on trempole avec le petit copain trampoline. Ça devrait arriver ici où je peux envoyer ce truc-là. J'ai envie d'essayer des choses. Je sais pas s'il peut remonter. Non, il lui faut vraiment de l'élan. Là, déjà, ça va être limite. Ça va déjà être limite. Ah si, il arrive au bon endroit. Bien. Donc si tu arrives au bon endroit, ça veut dire que tu arrives sur ça. Écoute, on va faire tout simple. Je vais juste mettre ça pour réceptionner. Je vais mettre une arrivée, une vraie. Hop. Alors il existe aussi une arrivée qui permet déjà d'avoir trois chemins d'arrivée et qui se cale derrière aussi avec un 1, 2, 3. Et comme ça, on peut s'amuser à voir le Enfin voilà, on fait un palmarès des billes pour essayer de voir laquelle arrive en première en fonction du trajet, etc. On peut parier sur sa bille, on peut y mettre de l'argent et perdre ses vêtements, ses habits et ses amis. Bah oui, mais bon, à force de relever tout ce que je dis, et bah ça sort tout seul. Hein. C'est l'épisode 0, la série commence. La suite de l'épisode, c'est je trouve comment sortir. Hop! J'essaye de fuir. OK. Bon, on devrait avoir un trajet complet. Là-dedans, je mets mes deux billes qui vont servir à rien. Tac. Enfin, qui vont juste servir à faire le contrepoids. Et puis, on va y aller. Si vous êtes prêts, je dégage un peu pour ce moment historique. Donc, on rappelle, elle doit partir de là, arriver là-dedans, passer dans la gouttière. Il est temps que ce live s'arrête. Passer dans la gouttière, traverser... Tout ce petit passage où on ne voit pas grand-chose, passer en dessous dans les escaliers, on ne verra rien, mais je vais essayer de me pencher pour qu'on entende clac, 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 parce que c'est aussi à l'oreille que ça se passe. Arriver ici, taper sur le marteau qui lui permet de remonter tout ça, ce petit bout de circuit, on a vu qu'il fonctionnait. Ensuite, arriver ici où ça va taper grâce au canon magnétique, ça va remonter et ça va arriver dans l'ascenseur. Grâce à la bille qui arrive dans l'ascenseur rouge, la bille rouge qui arrive dans l'ascenseur, ça va me permettre de donner un coup supplémentaire parce que cette chose n'est activée que par les billes qui sont dedans. Et donc, plus il y a de billes, plus ça monte. Ça va libérer la bille rouge qui est tout en haut, qui va partir, faire un trajet en looping. Si je dézingue. Pourtant, ça tient bien. Hein. C'est que je suis vraiment une sale brute. Hop. Qui va activer derrière le volcan? Et là, c'est ce qu'on a vu. Ça glisse ici. Ça vient... dans ce truc-là, il s'appelle comment ? La cascade qui lui permet de remonter, de redonner un coup ici dans le deuxième canon magnétique. Ça passe à travers. Bon, c'est moins impressionnant que ce que j'aurais voulu, mais ça passe à travers le looping. Et ça arrive, petit rebond, glissade sur le réceptacle et arrivée finale. Et on va voir si ça marche ou si ça ne fonctionne pas. OK, ça passe, c'est dans le tunnel. Hop. Un coup ici sur le marteau, le canon magnétique, et tac, on est là-dedans, ce qui nous permet d'avoir une bille pour faire ça. Elle part, elle donne un coup dedans, le volcan, c'est parti. Ici, ça tape, et non, ça s'est arrêté juste sur la fin. Ah, manque d'élan.
Manque d'élan. Voilà, Gravitrax. Ce sont aussi des... Non, mais on ne peut pas s'arrêter là-dessus. Je refuse. Je refuse catégoriquement. Si je fais ça, j'ai toujours pas assez et je vais pas dans la direction que je veux. Le trampoline demande vraiment... En fait, d'ici, je serai plus tranquille. Vous voyez, là, il y a vraiment du dénivelé. Mais... Non. Mais on va pas le faire. Mais le trampoline, voilà, c'est un instrument qu'il faut vraiment apprendre à maîtriser, apprendre à se donner vraiment en fait, l'envergure de laisser tomber la bille de très haut pour que ça commence à faire des choses. Et là, ça commence à être joli. Nous allons faire un mini test. Écoutez, on va juste se faire une arrivée gentille. En fait, je vais pas m'embêter plus que ça. Mais je veux que ça se termine sur une vraie arrivée quand même. Je n'ai pas possible de te faire autant d'efforts pour rien. Ouah ! Calme-toi. Calme-toi, bille. Hop ! On réenclenche tout. On réenclenche tout. Là, c'est plus la bonne bille. Ah, oh, punaise. Et j'ai pas la rouge. Enfin, c'est ce que je disais. Là, c'est moi qui m'embête aussi pour avoir la même couleur. Normalement, on n'est pas censé s'embêter à tout démonter là-dedans. Super, génial, Germain. Je suis vraiment bête des fois. Hop ! J'ai renversé les billes partout. Alors là, je renclique bien en face. Je renclique bien en face. L'ascenseur, c'est pareil. Vous avez vu, je l'ai mis à une certaine hauteur. Il peut être plus bas, il peut être plus haut. Il y a vraiment de la liberté de niveau, de ce qu'on peut faire avec ça. Hop, billes rouges, hop, billes rouges, hop, billes grises, elles sont là. Tac, je les ai récupérées, je les reglisse. Non, non. Voilà. Mais, ah, tu viens. Voilà, je disais donc, je les reglisse dans la gouttière. On remet ça ici, hop, le virage, hop. Le marteau est en place, le premier canon, le deuxième canon est en place. Là, il me manque une bleue. Là, hop, il me manque encore du gris et une rouge et une rouge. Et c'est reparti juste pour que ça arrive dans l'arrivée, comme son nom l'indique. Hop, c'est parti, c'est dans le circuit, je vois la rouge qui avance, ça claque, ça donne un coup, ça tape dans le canon magnétique, tape, on donne un coup, ça fait le volcan, ça part par là, la catapulte, et ah, et là, ça rate le virage. Bon. Alors, je pourrais encore rester des heures dessus pour régler mon problème, j'ai envie d'essayer d'autres choses. Je vais vous montrer deux, trois éléments pour qu'on n'en reste pas là. Je vais vous montrer ce que donne juste... pour impression, le trampoline. Je pense même qu'en en mettant un là tout au fond et en faisant juste ça, il y a moyen qu'elle glisse, qu'elle rebondisse plusieurs étages plus bas et qu'elle revienne là. Alors, je pense que vous le voyez plus avec la caméra qui est devant, hein, mais il y a un trou d'à peu près ça, en fait. Ça veut dire que la bille va tomber de cette hauteur et devrait rebondir et atterrir à peu près à mi-hauteur en fait en face. Normalement, ça marche. Voilà, ça marche pas. Si, mais si, ça fonctionne. Il faut juste lui donner un petit peu d'élan. Là, c'est un peu nul ce que je fais. Si je me mets les moyens de construire quelque chose qui a un intérêt relatif, hop, un petit circuit, voilà, tac. Super. Ah, mais là, ça arrive trop vite, ça va trop loin. Des fois, hein, je suis usant. Non, mais ça a marché le premier coup. Si je la remonte d'un cran, ça devrait toujours pouvoir fonctionner. Ça ne devrait pas aller aussi loin. Eh bien, si, hein. Mais comment ça peut avoir pas assez d'élan, puis trop, sérieux, un petit escalier. Ah voilà, là ça marche mieux. Là, il y a moins d'élan, mais juste ce qu'il faut. Voilà. Donc c'est là où je vous dis, voilà, comme vous le constatez, hein, ça se joue à pas grand-chose. Il faut réduire l'élan un tout petit peu, un tout gros peu, oui, bien sûr. Enfin, il faut réduire, augmenter l'élan des fois d'un tout petit peu pour que ça fonctionne. Là, pareil, alors je ne vais pas le montrer parce que je ne sais pas trop comment l'organiser.
Si vous laissez le trampoline tout seul, la bille va en fait faire ce qu'on a vu là. Elle quitte l'élément d'où elle vient, elle rebondit et elle continue tout droit. Il y a des petits virages. Alors en fait, c'est l'équivalent de cette pièce-là normale, mais légèrement découpée, légèrement biaisée. Si vous voyez, voilà, elle est coupée dans le sens de la diagonale. Si on en met une seule, s'il te plaît, si on en met une seule, ce qui va se passer, c'est que la bille va se décaler et va partir sur le trait. Alors là, c'est problématique. Si vous laissez vraiment un grand vide ou quelque chose pour pouvoir réceptionner et tirer parti de ce trait, ça peut marcher en ayant, par exemple, un rail à ce moment-là. La bille arrive, rebondit, elle part, et au lieu d'aller tout droit, elle part dans la légère diagonale de le trait. Qu'est-ce que je dis, le trait ? Dans le... Comment ça s'appelle ? Sur une forme géométrique, le pointu. J'ai plus le nom, dans l'angle, mais ça a un autre nom, dans le sommet. Elle va donc arriver par un côté, rebondir, et au lieu d'aller dans le côté d'en face, elle va aller juste sur le sommet. Si vous mettez un rail à cet endroit-là, il y a moyen que du coup, ça parte sur le rail. Bon, c'est le premier intérêt rigolo. Et si vous mettez les deux et que vous les mettez bien dans le même sens, alors il faut bien faire attention à les mettre avec le même dénivelé. Voilà, parce que sinon, ça, les dénivelés, je ne sais pas comment le dire, s'annulent entre eux. Enfin, ça ne fonctionne plus. Au lieu là, d'aller ni tout droit, ni en direction du... J'ai reperdu le mot, putain. Du sommet, elle va repartir sur l'arête, mais en diagonale. En fait, c'est comme si elle allait faire un virage. Mais du coup, ça va se faire en rebondissant. Et on peut cumuler avec deux trampolines pour faire ça, les deux à la suite, pour faire des chemins qui font en cascade. On peut descendre de plusieurs étages d'un coup en faisant ça avec le trampoline. C'est toujours plutôt sympathique. Ce que je peux vous montrer qui existe aussi, parce que ça, c'est rigolo. Alors, la catapulte, on n'aura pas vu, mais la catapulte, elle donnerait quoi ? Si je la mettais de manière expérimentale ici, je pense qu'elle va aller loin. Hop, on repart. Ah ben voilà, non, hop, si, c'est bon, avec ce qu'on avait là. Tac, hop. Alors, c'est quand même parti assez loin. Je vais mettre une arrivée là. Elle devrait arriver à peu près ici. La catapulte, elle peut aussi servir à faire remonter les éléments, mais ou à les expédier très loin. Voilà, on voit, c'est arrivé de là à là. Ça peut donc permettre de passer, c'est ce que j'aurais aimé là, en fait, passer au-dessus de certains obstacles et puis repartir sur un circuit ici. Enfin, voilà, puis il y a plein de détournements. Hein. On peut la mettre juste à la base. En fait, on aurait eu à peu près le même système que ça. Hein. Elle serait arrivée tout de suite. On aurait mis un petit élément de réception et en gros, elle serait arrivée sur... Alors, il faut bien le mettre dans le sens inverse. C'est-à-dire que c'est catapulté, ça arrive en réception et la pente permet de repartir. Et il faut se dire que c'est généralement mieux de repartir dans le sens inverse de là où on a été catapulté avec des virages, etc. Pourquoi ? Parce qu'aller dans l'autre sens, c'est souvent le coup à ce que ça réceptionne à peine la bille et elle part très très loin derrière. Alors si vous avez mis une ligne droite, ça va, elle peut toujours se réceptionner dessus. Si vous avez mis des virages, c'est quasiment sûr que ça n'ira, que ça partira dans un mauvais sens. Alors que, bah tiens, expérience directe, s'il te plaît, voilà, hop. Si on arrive comme ça, hop, on se prépare. Alors, il me faut au moins 3 d'écart. Je vais faire ça, je vais faire ça. Je vais mettre un petit élément qui repart ici. Voilà. Et donc, j'ai mon réceptacle pour repartir comme ça. Tiens, puis je mets un trampoline derrière parce que le trampoline, c'est rigolo. Tac, là, ça donnerait quoi ? Je ne vais pas prendre une bille argentée. Je vais prendre quelque chose qui se voit mieux sur le fond. Comme une rouge, s'il te plaît. Voilà, ça donne quoi ? Tac ! Et ben voilà, là par exemple, on voit que c'est à peu près l'exemple que j'avais dit, mais c'est allé trop loin. C'est mon système n'a pas réussi à l'amortir. Si j'essaye, hop, dans l'autre sens, voilà, je vire tout ça. Tac ! La bille rouge vient là. Donc là, ce que je veux, c'est que ce soit trampoliné jusque là et que ça parte et que ça aille jusque dans l'arrivée. On enlève tous les éléments en trop. Si je ne remets pas le catapulte, ça ne marche pas. Hop, tac, voilà. Là, maintenant, ça ne veut plus alors que c'est au même niveau que tout à l'heure. Ça rend fou. Ça rend fou, parfois. Voilà.
Là, c'est pareil, encore une fois, hein, des fois, ça joue à rien. Est-ce que l'élastique n'était pas assez tendu? Est-ce que, comme elle donne quand même des grands coups, elle se décale un tout petit peu, il faut bien la renclicter? Voilà, il faut toujours bien faire un petit peu attention à tout le matériel qu'on a dessus. Bon, ça, on a vu qu'il y avait de l'idée, mais qu'à chaque fois, il nous manquait un petit élément. On a la petite rigole où là, on peut faire donc arriver deux billes, et puis bah, ça tourne et ça va à l'étage d'en dessous. Ce qui va donner en fait le même effet, pas le même effet visuel, mais le même effet de descente que ce système-là, qui là, lui, va faire arriver la bille et directement va tomber en dessous. Tiens, si je me mets ici, par exemple, elle devrait arriver tout droit. Et elle devrait bah, revenir ici, ce qu'on avait tout à l'heure. Je vais juste remettre des rails pour montrer. Hop, voilà. Elle devrait en fait arriver là, elle va tomber sur le rail qu'on a eu tout à l'heure qui était en dessous, et puis elle va suivre et arriver jusqu'ici. Tac. Voilà. C'est ce qu'elle a fait. C'est pas très visuel parce qu'il y a les étages et je ne suis pas dans les meilleures configurations pour vous le montrer. Mais ça, pour descendre l'étage brutalement, des fois faire se croiser des billes, c'est sympa aussi. Et lui, plus que tout autre, peut être croisé. Oula, je fais tout décoller. Avec un système de rails, alors il y a deux rails comme ça et deux systèmes comme ça qui ont été rajoutés. Ça, c'est le rail qui. C'est ça, pardon, ce petit élément-là. Il y en a deux dans la boîte dans laquelle ça apparaît. Et ça apparaît dans bah, le même que les, la même grosse boîte que les tunnels. Ça vous permet d'aller enclipser ça, tic, sur un rail de votre choix et d'avoir quelque chose au-dessus qui va en fait lâcher la bille et ce petit élément-là va la réceptionner et va la renvoyer sur un rail, rail qui peut servir dans un autre circuit et faire tourner les choses. Comment je puis bien vous montrer ça? Je vais essayer de créer un circuit très vite fait là-dessous. Là, on va virer tout ça, on va essayer de rendre ça un poil plus lisible. Alors, je vais essayer de créer, j'ai quelque chose qui passe ici. Ah, je ne suis pas bon. Ici. Germain, les bons conseils. Hop, là, alors juste pour qu'il soit cohérent, il faut que j'ai un petit peu de pente. Hop. Alors, je vais virer ça. Autant que vous voyez comment je le constitue. Hop. Donc ici, j'ai un rail classique. Je viens caler ce petit élément et je vais tout de suite le glisser parce que je sais que ça va tomber sur cet hexagone-là. Là, je crée cette partie-là au-dessus. Je veux que ça tombe là-dedans. Et donc là, on peut imaginer, j'ai créé tout un circuit. Hop, là, je veux que ça tombe là-dedans. Et donc, pour la petite démonstration, je le crée comme ça. Voilà, je fais rien de très compliqué. Un mini bout de circuit gentil. Tac. Une arrivée tout de suite, parce que là, c'est juste pour montrer comment ça part. Hop. Et donc, on a à la fois un circuit qui est cohérent en dessous, qui n'empêche pas la bille de glisser, et on a un circuit qui est cohérent par au-dessus. Et ça tape trop fort, effet Bonaldi garanti. Bon, je ne l'avais encore pas essayé, mais ça m'étonne quand même que ça se dézingue à ce point-là. Alors, je dois être vraiment trop haut parce que j'ai vraiment créé un dénivelé qui est assez important entre ces deux-là. N'allons pas accuser le matériel quand c'est moi qui fais une bêtise. Voilà, là c'est quand même un peu plus cohérent. Hop. Tac. Le truc est juste en dessous et là ça devrait glisser. Non, ça tape. Eh bien voilà. Je ne me suis pas encore servi de ça. Alors probablement que je n'ai pas le doigté et l'expérience pour. Hein. Voilà, il faut quand même garder ça en tête. Sur le même principe, enfin sur un principe un petit peu différent, on a un rail comme ceci en V, où en fait la bille va arriver dessus, va glisser de l'un à l'autre jusqu'à être coincée au milieu, et au milieu elle glisse, et ça lui permet également bah, de rejoindre un autre élément par en dessous. Si là j'essaye une démonstration qui, j'aimerais cette fois, fonctionne, on a donc, bon sang de bois, un élément qui ici est. Ah, c'est peut-être que je ne suis pas au milieu. Hein. Peut-être que ça doit vraiment aller au milieu avec ça. Avec ça, pardon. Et c'est peut-être moi qui l'ai mal fait. Hein. C'est fort possible.
Là, c'est parce que je tapais ici, en fait, et je ne tapais pas sur le point d'équilibre de l'élément. Là, je devrais quand même déjà plus viser une zone d'équilibre si je fais quelque chose comme ça. Sauf que non, je peux pas le mettre là. Comment tu fais? Comment tu fais pour qu'il arrive là où tu veux qu'il arrive? Ah non, ça remonte en fait. Je suis en train d'étudier l'élément en même temps. Ça remonte, mais il faut qu'il soit dans le même sens. Comment? Mais comment? Comment je fais ça? Parce que là, il n'est pas en face. Bon, ou alors si je le mets pas en face, plus bas. Bon, si je le mets quand même pas au milieu et que j'essaye de te mettre ici. Expéritentons. On en a un comme ça. Ah oui, je suis trop près. Un peu en vire. Donc on en a un comme ça. Je suis trop loin. Nié, nié, nié. On a un virage ici. Faut donner un petit peu d'élan quand même. Pour y arriver, il y a une petite pente à remonter qui est étonnante. Ah, d'accord. Il y en a un qui est en pente en hauteur et un qui est en pente en bas. Oui, mais là, je suis clairement pas assez haut. Alors, on va déjà faire plus simple, à expliquer en pente vers le bas. Il y en a un convexe et un concave, en fait. Et je reprends pas le bon, mais je suis zinzin dans ma tête. Là, ça donne quoi? Ça arrive ici. Hop! Bon, alors, c'était un peu violent. Avec un peu plus d'élan, voilà. Ce qui est intéressant, alors comment bien le montrer? Ce qui est intéressant, c'est qu'avec de l'élan, elle va un peu aller et venir, elle ne va pas avoir assez pour remonter, et puis il y a quelque chose qui va coincer, et elle va finir par tomber au milieu. Hop, et accéder au rail du bas, rail qui fonctionne toujours en lui-même, ça peut donc permettre de rejoindre des billes. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Un jeu dans un vrai roller coaster. Faudrait une GoPro, alors ça c'est vrai que ce serait énorme. C'est le vertex de l'hexagone. Combien d'années d'études pour créer un truc pareil? Surtout pour le temps qu'on passe dessus. Bon, autre élément, bah ça qui permet de séparer deux billes, mais bon, voilà, c'est pas forcément des plus excitants. Mais tant qu'à faire, on montre. On est là pour montrer. Il n'y aura pas d'autres vidéos pour expliquer à quoi ça sert. Hop, je me fais juste une comme ça. Très simple, voilà, on ne va pas se poser de questions, on va juste créer deux arrivées. On a une bille qui arrive d'un côté et la suivante qui arrive de l'autre. Bon voilà, c'est tout bête, hein. Et puis plus on en envoie et plus chacune à la suite, elle change de direction. Voilà, qu'est-ce que je peux bien ne pas avoir montré? Je crois que j'ai fait le tour de tout, j'ai fait le bordel sur la table. Écoutez, c'était le live Gravitrax. Moi, ça m'a fait plaisir d'essayer de faire quelque chose. Alors, c'était des conditions un petit peu différentes parce que je suis obligé de vous parler et que ça n'avait pas toujours de sens, hein. Que j'en ai fait pas une si compliquée, même si à la fin, voilà, on voit qu'on peut se tordre les neurones. Et en fait, c'est ça le vrai intérêt. C'est qu'à un moment, on se met un défi. Et pour une raison X ou Y, on n'y arrive pas. Alors, on réfléchit à qu'est-ce qu'on va faire avec. Et ce côté entre le Lego et le casse-tête auto-infligé, c'est vachement bien. Enfin, déjà, quand tu le réussis à la fin, c'est juste plaisant à regarder. Tu as une petite palpitation à te dire est-ce qu'elle va passer, est-ce qu'elle va passer. Tu as été vraiment pris par ça. C'est super joli de regarder les billes couler. C'est vraiment. Je peux comprendre que ça n'intéresse pas des gens, mais ça a quelque chose d'hyper hypnotique. C'est un peu comme le domino day, hein, en fait. Regarder des dominos qui coulent les uns après les autres, qui créent des figures, etc. Et quand on commence à maîtriser et qu'on commence à faire des choses étonnantes avec le matériel, c'est là où ça devient hyper plaisant et on se met la barre soi-même de plus en plus haut. Je pense que c'est peut-être pour ça aussi que ça a un sens que dans la boîte de base, il y ait un livret de défis à remplir.
C'est qu'à un moment, en fait, ça devient un automatisme. On se met le défi de faire quelque chose avec 3, 4 étages, de se dire, elle va monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, que mon arrivée, elle est en haut et je démarre en bas, par exemple. Donc, c'est comment je fais remonter la bille et puis je donne assez d'intérêt, puis je la refais remonter, etc. Enfin, voilà, c'est tout l'intérêt hyper absorbant pour l'esprit de cette chose. En plus d'être très joli, d'être très design, d'être vraiment pratique à monter et à démonter. Alors, on voit que parfois trop pratique à démonter, hein, un petit coup et ça part. Bon, en même temps, il vaut mieux ça que les rails, les éléments clipsés s'envolent et se démontent d'un seul coup. Parce que si c'était bien clipsé et qu'en donnant un coup, ça cassait ou ça pliait, parce qu'on serait un peu moins jouasse. Voilà, là en plus, on a vu la totalité de tout ce qui existe. Hein, c'est-à-dire que vous avez vraiment tout le matos qui existe sur la table. Hein. J'avais encore un niveau que je n'ai pas utilisé. Là, j'ai du rap de billes. Là, j'ai encore plein de virages qui n'ont pas servi. Plein de tournis. Voilà, les éléments. Je ramène tout pour que vous voyez tout. Voilà, là, on a tout ce qui se fait avec Gravitrax, avec la boîte de base, avec les deux boîtes extension de matériel, avec les deux boîtes extension tunnel et l'autre, c'était laquelle où il y avait plein de trucs. Ah oui, avec le lifter, avec l'ascenseur, qui sont donc de la même taille, de ce format pizza, donc pour toutes les, on va dire les moyennes extensions. Puis après, c'est vraiment des petites boîtes. Ça fait à peu près, d'ailleurs même pas à peu près, je pense que ça fait la taille d'une boîte de Time Stories. Et puis voilà, et dedans, vous avez un petit élément de 3 billes pour vous rajouter un peu plus de fun et pour vous péter un peu plus les neurones. En tout cas, j'étais content de faire cet après-midi-là pour vous montrer un petit peu de quoi ça s'agissait. Ça va faire un énorme VOD qui sera regardé par personne, mais ma foi, pourquoi pas. Je suis content que vous m'ayez suivi. Est-ce que vous avez des trucs à dire? Cette vidéo est surréaliste, oui. Je suis bien d'accord, Robin. Moi, j'adore. Faut vendre à TF1 et un concept. Mais non, c'est rigolo. Enfin, là, en fait, je parle avec vous. Au final, on est assez proche de ce qui serait un... Avec les difficultés de l'interface, mais on est assez proche de ce que peut faire un live... enfin, comment dire, un Twitcher live avec un jeu vidéo qui serait un jeu de gestion ou un jeu de création de parc, j'en sais rien. Enfin, vous voyez, un jeu qui n'est pas forcément ultra palpitant, mais où on a une espèce de satisfaction à construire les trucs et les découvrir un par un. Et bon, voilà, j'ai tenté. Ma foi, on voit bien comment ça passe. Auto-infligé. Si, on s'auto-inflige ces problèmes, mais ça fait plaisir. Au début, Gravitrax, je croyais que c'était un médicament. Oui, c'est un médicament, hein, mais pas en suppositoire. Ouais, la ref Lego. Je viens de me cacher derrière ma boîte pour vous lire. Défi de la rentrée, la même, mais par Guillaume. Ouais, mais alors Guillaume, je vais lui en enlever. Je vais le surveiller, je vais lui mettre des trucs. Ravensburger dépose. Mais non, il faut acheter ça, c'est excellent. Et si vous aimez les trajets de billes, le côté Lego, le côté création, c'est vraiment bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Je tenterai bien une, mais où je crée un circuit qui est joli, qui est bien, qui met en avant plusieurs éléments et en fait, je ne la tourne pas en live, je la tourne à côté, je mets des caméras dans des axes précis pour que vous voyez bien les éléments et je vous décris, bon, si ça vous intéresse, je ne sais pas si ça vaut le coup, ça reste de faire doublon avec celle-là. D'un autre côté, on verra peut-être mieux et ce sera plus court aussi, donc ça aura sans doute de l'intérêt. Ma foi, si je trouve le temps de faire ça, ouais, ça me plairait bien, ce sera sans doute plutôt sur la chaîne YouTube, mais... une petite review de présentation qui pourrait être cool en complément pour toucher d'autres personnes. Bon voilà, sur ce, vous allez avoir droit à quelques secondes de silence avant le noir car je dois aller couper là-bas. Donc je vais vous laisser avec ça. J'aurais dû lancer la bille et partir en fait. J'aurais juste laissé le son. Mais voilà. Pardon, pas de questions? Non, bah du coup, pas de questions. Bon, bah écoutez, bah, ça va s'arrêter là. Moi, je me suis bien amusé. J'espère que je vous ai fait découvrir le truc. J'espère que ça vous a intéressé malgré... voilà, j'ai tenté de faire un cadrage comme je pouvais pour que ça ait un peu d'intérêt. Et puis, bah, je vais retourner ranger tout ça et m'amuser.
Voilà, je vous souhaite une bonne journée et on se revoit. Alors, je ne sais pas trop quand en live, mais assez vite en article, puisque sont à venir alors que des articles de vendus. Hein, j'ai pu jouer à deux jeux hop là, enfin, j'ai pu jouer à quatre jeux hop là au flip, mais je vais écrire un article sur deux d'entre eux. Il y en a un que je vais laisser à Mops parce que je sais que Mops souhaite en parler. Et puis il y en a un, je pense que Guillaume voudra en parler, donc voilà. Donc je vais continuer de faire de la propagande à Asmodée en parlant de jeux qu'il n'édite pas. Et puis si quand même, hein, parce que sinon je ne suis pas payé à la fin du mois, je... Bon, c'est pas vrai, vous êtes crédules. Je vais faire un article sur Deep Blue, le prochain Days of Wonder qu'on a pu essayer au Flip appartenait d'ailleurs avec Robin. Et voilà, j'ai un petit article à faire là-dessus pour vous raconter un petit peu comment ça se passe. Et puis après, on verra bien. Et je suis quand même resté à 20-30 personnes, hein, ça vous intéresse. Bon, allez, des bisous et bon silence de quelques secondes.